Il y a une chose remarquable, que quand on vieillit, on perd la mémoire. Mais ça ne veut pas dire qu'on perd les souvenirs. Au contraire, on perd la capacité d'acquérir de nouveaux souvenirs. Mais ceux qui sont inscrits, ils sont bien plus proches que jamais. La gloire de mon père, de Marcel Pagnol. Lu par Hervé Pierre. Choix des extraits et réalisations, Juliette Eman. Dans ces souvenirs, je ne dirai de moi ni mal ni bien. Ce n'est pas de moi que je parle, mais de l'enfant que je ne suis plus. C'est un petit personnage que j'ai connu et qui s'est fondu dans l'air du temps, à la manière des moineaux qui disparaissent sans laisser de squelette. Premier épisode. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue, plantée au bord du Plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'Uvaune. Mon père était le cinquième enfant d'un tailleur de pierre de Valréas, près d'Orange. La famille y était établie depuis plusieurs siècles. D'où venait-il? Sans doute d'Espagne, car j'ai retrouvé dans les archives de la mairie des L'Espagnol, puis des Spagnol. De plus, ils étaient armuriers de père en fils et dans les eaux fumantes de l'Ouvèze, ils trempaient des lames d'épée, occupation comme chacun sait, noblement espagnole. Cependant, parce que la nécessité du courage a toujours été inversement proportionnelle à la distance qui sépare les combattants, les tromblons et les pistolets remplacèrent bientôt les espadons et les colichemardes. C'est alors que mes aïeux se firent artificiers, c'est-à-dire qu'ils fabriquèrent de la poudre, des cartouches et des fusées. L'un d'eux, un arrière-grand-oncle, jaillit un jour de sa boutique à travers une fenêtre fermée dans une apothéose d'étincelles, entourée de soleil tournoyant sur une gerbe de chandelles romaines. Il n'en mourut pas, mais sur sa joue gauche, la barbe ne repoussa plus. C'est pourquoi jusqu'à la fin de sa vie, on l'appela l'ourousti, c'est-à-dire le rôti. C'est peut-être à cause de cet accident spectaculaire que la génération suivante décida, sans renoncer aux cartouches ni aux fusées, de ne plus les garnir de poudre, et ils devinrent cartonniers, ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Voilà un bel exemple de sagesse latine. Ils répudièrent d'abord l'acier, matière lourde, dure et tranchante, puis la poudre, qui ne supporte pas la cigarette, et ils consacrèrent leur activité au carton, produit léger, obéissant, doux au toucher, et en tout cas non explosible. Cependant, mon grand-père, qui n'était pas monsieur l'aîné, n'hérita pas de la cartonnerie, et il devint je ne sais pourquoi tailleur de pierre. Il fit donc son tour de France et finit par s'établir à Valréas puis à Marseille. Son autorité sur ses enfants avait été redoutable, ses décisions sans appel. Mais ses petits-enfants tressaient sa barbe ou lui enfonçaient dans les oreilles des haricots. Il me parlait parfois très gravement de son métier, ou plutôt de son art, car il était maître appareilleur. Il n'estimait pas beaucoup les maçons. « Nous, disait-il, nous montions des murs en pierre appareillée, c'est-à-dire qui s'emboîtent exactement les unes dans les autres, par des tenons et des mortaises, des embrèvements, des queues d'aronde, des traits de Jupiter. Bien sûr, nous coulions aussi du plomb dans les rainures pour empêcher le glissement, mais c'était incrusté dans les deux blocs et ça ne se voyait pas. Tandis que les maçons y prennent les pierres comme elles viennent et y bouchent les trous avec des paquets de mortier. Un maçon, c'est un noyeur de pierres, et il les cache parce qu'il n'a pas su les tailler. » Dès qu'il avait un jour de liberté, c'est-à-dire 5 ou 6 fois par an, il emmenait toute la famille déjeuner sur l'herbe, à 50 mètres du pont du Gard. Pendant que ma grand-mère préparait le repas et que les enfants pataugeaient dans la rivière, il montait sur les tabliers du monument, prenait des mesures, examinait des joints, relevait des coupes, caressait des pierres. Après le déjeuner, il s'asseyait dans l'herbe, devant la famille en arc de cercle, en face du chef-d'œuvre millénaire, et jusqu'au soir, il le regardait.
C'est pourquoi 30 ans plus tard, ses fils et ses filles, au seul nom du pont du Gard, levaient les yeux au ciel et poussaient de longs gémissements. Cet homme habile n'avait reçu qu'une instruction sommaire. Il savait lire et signer, mais rien de plus. Il en souffrit secrètement toute sa vie. Finit par croire que l'instruction était le souverain bien, et il s'imagina que les gens les plus instruits étaient ceux qui enseignaient les autres. Il se saigna donc aux quatre veines pour établir ses 6 enfants dans l'enseignement, et c'est ainsi que mon père, à 20 ans, sortit de l'école normale d'Aix-en-Provence et devint instituteur public. Les écoles normales primaires étaient à cette époque de véritables séminaires, mais l'étude de la théologie y était remplacée par des cours d'anticléricalisme. On laissait entendre à ces jeunes gens que l'Église n'avait jamais été rien d'autre qu'un instrument d'oppression, et que le but et la tâche des prêtres, c'était de nouer sur les yeux du peuple le noir bandeau de l'ignorance, tout en lui chantant des fables infernales ou paradisiaques. La mauvaise foi des curés était d'ailleurs prouvée par l'usage du latin, langue mystérieuse, et qui avait pour les fidèles ignorants la vertu perfide des formules magiques. La papauté était dignement représentée par les deux Borgia, et les rois n'étaient pas mieux traités que les papes. Ces tyrans libidineux ne s'occupaient guère que de leurs concubines quand ils ne jouaient pas au bilboquet. Pendant ce temps, leurs suppôts percevaient des impôts écrasants qui atteignaient jusqu'à 10% des revenus de la nation. C'est-à-dire que les cours d'histoire étaient élégamment truqués dans le sens de la vérité républicaine. Je n'en fais pas grief à la République. Tous les manuels d'histoire du monde n'ont jamais été que des livrets de propagande au service des gouvernements. Les normaliens frais et moulus étaient donc persuadés que la Grande Révolution avait été une époque idyllique, l'âge d'or de la générosité et de la fraternité poussée jusqu'à la tendresse. En somme, une explosion de bonté. Je ne sais pas comment on avait pu leur exposer, sans attirer leur attention, que ces anges laïcs, après 20 000 assassinats suivis de vols, s'étaient entre-guillotinés eux-mêmes. Cependant, les études de ces normaliens ne se bornaient pas à l'anticléricalisme et à l'histoire laïcisée. Il y avait un troisième ennemi du peuple, et qui n'était point dans le passé, c'était l'alcool. De cette époque datent l'assommoir et ses tableaux effrayants qui tapissaient les murs des classes. On y voyait des foies rougeâtres, et si parfaitement méconnaissables à cause de leur boursouflure verte et de leur étranglement violacé qui leur donnait la forme d'un topinambour. Mais pour éclairer ce désastre, l'artiste avait peint au beau milieu du tableau le foie appétissant du bon citoyen, dont la masse harmonieuse et le rouge triomphal permettaient de mesurer la gravité des catastrophes circonscrites. Les normaliens, poursuivis jusque dans les dortoirs par cet horrible viscère, sans parler d'un pancréas en forme de vis d'Archimède et d'une aorte égayée de hernie, étaient peu à peu frappés de terreur et la seule vue d'un verre de vin leur donnait des frissons de dégoût. La terrasse des cafés, à l'heure de l'apéritif, leur paraissait une assemblée de candidats au suicide. Ils pensaient que ces malheureux verraient bientôt des rats grimper au mur, ou qu'ils rencontreraient des girafes sur le cours Mirabeau. Et l'on citait le cas d'un violoniste de grand talent, réduit à jouer de la mandoline à cause d'un tremblement spasmodique, dû au fait que sa moelle épinière trempait dans un bain de vermouth cassis. Mais ce qu'il haïssait le plus farouchement, c'était les liqueurs dites digestives, les bénédictines et les chartreuses avec privilège du roi, qui réunissaient dans une trinité atroce l'Église, l'alcool et la royauté. Au-delà de la lutte contre ces trois fléaux, le programme de leurs études était très vaste et admirablement conçu pour en faire les instructeurs du peuple, qu'ils pouvaient comprendre à merveille car ils étaient presque tous fils de paysans ou d'ouvriers. Ils recevaient une culture générale sans doute plus large que profonde, mais qui était une grande nouveauté. Et comme ils avaient toujours vu leur père travailler 12 heures par jour, dans le champ, dans la barque ou sur l'échafaudage, ils se félicitaient de leur heureux destin parce qu'ils pouvaient sortir le dimanche, et qu'ils avaient 3 fois par an des vacances qui les ramenaient à la maison. Alors le père et le grand-père, et parfois même les voisins, qui n'avaient jamais étudié qu'avec leurs mains, venaient leur poser des questions, et leur soumettre de petites abstractions dont jamais personne au village n'avait pu trouver la clé. Ils répondaient, les anciens écoutaient, gravement, en hochant la tête. C'est pourquoi pendant 3 années, ils dévoraient la science comme une nourriture précieuse dont leurs aïeux avaient été privés. À la fin de ces études,
il fallait affronter le brevet supérieur, dont les résultats prouvaient que la promotion était parvenue à maturité. Alors, par une sorte de déhiscence, la bonne graine était projetée aux quatre coins du département pour y lutter contre l'ignorance, glorifier la République et garder le chapeau sur la tête au passage des processions. Après quelques années d'apostolat laïque dans la neige des hameaux perdus, le jeune instituteur glissait à mi-pente jusqu'au village, où il épousait au passage l'institutrice ou la postière. Puis il traversait plusieurs de ces bourgades dont les rues sont encore en pente, et chacune de ces haltes était marquée par la naissance d'un enfant. Au troisième ou au quatrième, il arrivait dans les sous-préfectures de la plaine, après quoi il faisait enfin son entrée au chef-lieu, dans une peau devenue trop grande, sous la couronne de ses cheveux blancs. Il enseignait alors dans une école à 8 ou 10 classes et dirigeait le cours supérieur, parfois le cours complémentaire. On fêtait un jour solennellement ses palmes académiques. 3 ans plus tard, il prenait sa retraite, c'est-à-dire que le règlement la lui imposait. Alors, souriant de plaisir, il disait « Je vais enfin pouvoir planter mes choux ». Sur quoi il se couchait et il mourait. C'est parce que mon père était sorti lui aussi dans un bon rang que la déhiscence de la promotion ne l'avait pas projeté trop loin de Marseille et qu'il était tombé à Aubagne. C'était une bourgade de 10 000 habitants, nichée sur les coteaux de la vallée de l'Uvaune et traversée par la route poudreuse qui allait de Marseille à Toulon. Mon père, qui s'appelait Joseph, était alors un jeune homme brun, de taille médiocre sans être petit. Il avait un nez assez important, mais parfaitement droit et fort heureusement raccourci aux deux bouts par sa moustache et ses lunettes, dont les verres ovales étaient cerclés d'un mince fil d'acier. Sa voix était grave et plaisante, et ses cheveux, d'un noir bleuté, ondulaient naturellement les jours de pluie. Il rencontra un dimanche une petite couturière brune qui s'appelait Augustine, et il la trouva si jolie qu'il l'épousa aussitôt. Je n'ai jamais su comment ils s'étaient connus, car on ne parlait pas de ces choses-là à la maison. D'autre part, je ne leur ai jamais rien demandé à ce sujet, car je n'imaginais ni leur jeunesse, ni leur enfance. Ils étaient mon père et ma mère, de toute éternité et pour toujours. L'âge de mon père, c'était 25 ans de plus que moi, et ça n'a jamais changé. L'âge d'Augustine, c'était le mien, parce que ma mère, c'était moi, et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour. De sa vie précédente, je sais seulement qu'elle fut éblouie par la rencontre de ce jeune homme à l'air sérieux, qui tirait si bien aux boules et qui gagnait infailliblement 54 francs par mois. Elle renonça donc à coudre pour les autres et s'installa dans un appartement d'autant plus agréable qu'il touchait à l'école et qu'on n'en payait pas le loyer. Dans les mois qui précédèrent ma naissance, comme elle n'avait que 19 ans et elle les eut toute sa vie, elle conçut de graves inquiétudes et déclara en sanglotant que son bébé ne naîtrait jamais, parce qu'elle sentait bien qu'elle ne savait pas le faire. Mon père essaya de la raisonner, mais alors elle disait furieuse « Quand je pense que c'est toi qui m'as fait ça !» Et elle fondait en larmes. Quand le survenant se mit à bouger, elle eut des accès de fou rire entre deux crises de sanglots. Effrayé par ce comportement déraisonnable, mon père appela au secours sa sœur aînée. C'était elle qui l'avait élevée. Elle était naturellement directrice d'école à La Ciotat et célibataire. La grande sœur fut tout à fait ravie et décida qu'il fallait sur le champ installer ma mère chez elle, sur le bord de la mer Latine, ce qui fut fait le soir même. On m'a dit que Joseph en fut charmé et qu'il profita de sa liberté pour compter fleurette à la boulangère, dont il mit en ordre la comptabilité. Voilà une idée déplaisante et que je n'ai jamais acceptée. Pendant ce temps, la future maman se promenait le long des plages sous le tendre soleil de janvier en regardant au loin les voiles des pêcheurs qui partaient à 3 heures vers le soleil couchant. Puis près du feu où sifflotait la flamme bleue des souches d'oliviers, elle tricotait le trousseau de sa bondissante progéniture, tandis que la tante Marie ourlait des langes en chantant d'une jolie voix claire. Sur le brick léger que le flot balance, quand la nuit étend son grand voile noir, elle était maintenant rassurée, d'autant que son cher Joseph venait tous les samedis sur la bicyclette du boulanger. Il apportait des croquants aux amandes, des tartes à la frangipane et un sachet de farine blanche pour faire des crêpes ou des beignets,
ce qui prouve bien que la boulangère n'avait pas à se plaindre de lui. Ses gâteries, ce long repos et l'air salubre de la douce Méditerranée transformèrent la jeune Augustine. Elle avait pris de belles couleurs et il paraît qu'elle chantait tous les matins dès son réveil. Tout s'annonçait donc le mieux du monde lorsqu'au petit matin du 28 février, elle fut réveillée par quelques douleurs. Elle appela aussitôt la tante Marie qui décréta que ce n'était rien puisque le docteur avait annoncé la naissance d'une fille pour la fin du mois de mars. Puis elle ralluma le feu pour mettre en route une tisane. Mais la patiente affirma que les docteurs n'y comprenaient rien et qu'elle voulait retourner tout de suite à Aubagne. « Il faut que l'enfant naisse à la maison, il faut que Joseph me tienne la main. Marie, Marie, partons vite, je suis sûre qu'il veut sortir. » La douce Marie essaya de la calmer avec du tilleul et des paroles. La passoire à la main, elle déclara que si l'événement se confirmait, elle irait en informer le poissonnier qui descendait chaque jour à Aubagne vers les 8 heures et que Joseph viendrait aussi vite que le vent sur la machine à pédales. Mais Augustine repoussa la tasse à fleurs et se tordit les mains en pleurant à grosses larmes. Alors la tante Marie alla frapper au volet d'un voisin qui possédait un boguet et un petit cheval. C'était une époque bénie où les gens se rendaient service, il n'y avait qu'à demander. Le voisin attela son cheval. La tante enveloppa Augustine dans des châles. Et nous voilà partis au petit trot, tandis que sur la crête des collines, la moitié d'un grand soleil rouge nous regardait à travers les pins. Mais en arrivant à la baie d'Oule, qui est tout juste à mi-chemin, les douleurs recommencèrent, et la tante, à son tour, s'affola. Elle serrait dans ses bras ma mère emmitouflée, et lui donnait des conseils. « Augustine, disait-elle, retiens-toi. » Mais Augustine, toute pâle, ouvrait des yeux noirs énormes et transpirait en gémissant. Heureusement, nous avions franchi le col et la route descendait sur Aubagne. Le voisin desserra son frein, qu'on appelait la mécanique, et fouetta le petit cheval qui n'eut qu'à se laisser emporter par le poids de l'équipage. Nous arrivâmes tout juste à temps, et Madame Négrel, la sage-femme, vint en hâte délivrer ma mère, qui avait enfin planté ses ongles dans le bras puissant de Joseph. Mes souvenirs d'Aubagne sont peu nombreux, parce que je n'y vécu que 3 ans. Je vois d'abord une très haute fontaine, sous les platanes du cours, juste devant notre maison. Je vois ensuite un plafond qui tombe sur moi à une vitesse vertigineuse, pendant que ma mère horrifiée crie « Henri, tu es idiot, Henri, je te défends !» C'est que mon oncle Henri, le frère de ma mère, me lance en l'air et me rattrape au vol. Je hurle d'angoisse, mais quand ma mère m'a repris dans ses bras, je crie « Encore, encore !» Mon oncle Henri avait 30 ans, une jolie barbe brune, et il était mécanicien de machines à vapeur. Il travaillait à leur construction dans les ateliers des forges et chantiers, comme avait fait son père, ce grand-père maternel que je n'ai jamais connu. Celui-là était né à Coutances, vers 1845, et il s'appelait Guillaume Lanceau. Normand de pure race, il était venu à Marseille en faisant son tour de France. Ma grand-mère marseillaise lui plut, il y resta. À 24 ans, il avait déjà 3 enfants, dont ma mère était la petite dernière. Comme il savait bien son métier, et que la mère ne lui faisait pas peur, on l'envoya un jour à Rio de Janeiro pour dépanner un navire à vapeur dont la machine ne voulait plus repartir. Il arriva dans ce pays encore sauvage, sans vaccin d'aucune sorte. Il vit des gens qui mouraient de la fièvre jaune, et tout bêtement, il fit comme eux. Ses enfants n'avaient pas eu le temps de le connaître, et ma grand-mère, qui ne fut sa femme que pendant 4 années, n'a pas pu nous dire grand-chose, sinon qu'il était très grand, qu'il avait des yeux bleus de mer, des dents très blanches, qu'il était d'un blond tirant sur le roux et qu'il riait d'un rien, comme les enfants. Je n'ai même pas sa photographie. Parfois le soir, à la campagne, au coin du feu, je l'appelle mais il ne vient pas. Il doit être encore dans les Amériques. Alors tout seul, en regardant danser les flammes, je pense à mon grand-père de 24 ans, qui mourut sans lunettes, avec toutes ses dents, sous une épaisse chevelure dorée, et je m'étonne d'être le si vieux petit-fils d'un grand jeune homme de Coutances. Un autre souvenir d'Aubagne, c'est la partie de boule sous les platanes du cours. Mon père, parmi d'autres géants, faisait des bonds prodigieux et lançait une masse de fer à des distances inimaginables. Parfois, il y avait de grands applaudissements. Puis les géants finissaient toujours par se disputer à cause d'une ficelle qu'ils s'arrachaient des mains, mais ils ne se battaient jamais.
D'Aubagne, nous passâmes à Saint-Loup, qui était un gros village dans la banlieue de Marseille. En face de l'école, il y avait l'abattoir municipal. Ce n'était qu'une sorte de hangar où deux bouchers immenses opéraient toutes portes ouvertes. Pendant que ma mère faisait son petit ménage, je grimpais sur une chaise devant la fenêtre de la salle à manger et je regardais l'assassinat des bœufs et des porcs avec le plus vif intérêt. Je crois que l'homme est naturellement cruel. Les enfants et les sauvages en font la preuve chaque jour. Lorsque le malheureux bœuf recevait le coup de Merlin entre ses cornes et tombait sur les genoux, j'admirais simplement la force du boucher et la victoire de l'homme sur la bête. La mise à mort des porcs me faisait rire aux larmes parce qu'on les tirait par les oreilles et qu'ils poussaient des cris stridents. Mais le spectacle le plus intéressant, c'était l'assassinat du mouton. Le boucher lui tranchait élégamment le gosier, tout en continuant une conversation avec son assistant, et sans accorder la moindre attention à ce qu'il faisait. Quand il en avait égorgé 3 ou 4, il plaçait les cadavres, les pattes en l'air, sur des sortes de berceaux. Puis, avec un soufflet, il les gonflait prodigieusement pour décoller la peau de la chair. Je croyais qu'il essayait d'en faire des ballons, et j'espérais les voir s'envoler, mais ma mère, qui survenait toujours au meilleur moment, me faisait descendre de mon observatoire, et tout en coupant des cubes de viande pour le pot-au-feu familial, elle me tenait des propos incompréhensibles sur la douceur du pauvre bœuf, la gentillesse du petit mouton frisé et la méchanceté de ce boucher. Lorsqu'elle allait au marché, elle me laissait au passage dans la classe de mon père, qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis, bien sage, au premier rang, et j'admirais la toute-puissance paternelle. Il tenait à la main une baguette de bambou. Elle lui servait à montrer les lettres et les mots qu'il écrivait au tableau noir, et quelquefois à frapper sur les doigts d'un cancrine attentif. Un beau matin, ma mère me déposa à ma place et sortit sans mot dire, pendant qu'il écrivait magnifiquement sur le tableau, « La maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage. » Tandis qu'il arrondissait un admirable point final, je criais « Non, ce n'est pas vrai !» Mon père se retourna soudain, me regarda stupéfait et s'écria « Qu'est-ce que tu dis ?»« Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit. » Il s'avança vers moi. « Qui t'a dit qu'on t'avait puni ?»« C'est écrit !» La surprise lui coupa la parole un moment. « Voyons, voyons, » dit-il enfin, « est-ce que tu sais lire ?»« Oui. » »« Voyons, voyons, » répétait-il. Il dirigea la pointe du bambou vers le tableau noir. « Eh bien, lis !» Je lus la phrase à haute voix. Alors il alla prendre un abécédaire et je lus sans difficulté plusieurs pages. Je crois qu'il eut ce jour-là la plus grande joie, la plus grande fierté de sa vie. Lorsque ma mère survint, elle me trouva au milieu des 4 instituteurs qui avaient renvoyé leurs élèves dans la cour de récréation et qui m'entendaient déchiffrer lentement l'histoire du petit Pousset. Mais au lieu d'admirer cet exploit, elle pâlit, déposa ses paquets par terre, referma le livre et m'emporta dans ses bras en disant « Mon Dieu, mon Dieu !» Sur la porte de la classe, il y avait la concierge qui était une vieille femme corse. Elle faisait des signes de croix. J'ai su plus tard que c'était elle qui était allée chercher ma mère en l'assurant que ces messieurs allaient me faire éclater le cerveau. À table, mon père affirma qu'il s'agissait de superstitions ridicules, que je n'avais fourni aucun effort, que j'avais appris à lire comme un perroquet apprend à parler, et qu'il ne s'en était même pas aperçu. Ma mère ne fut pas convaincue, et de temps à autre elle posait sa main fraîche sur mon front et me demandait « Tu n'as pas mal à la tête ?» Non, je n'avais pas mal à la tête, mais jusqu'à l'âge de 6 ans, il ne me fut plus permis d'entrer dans une classe, ni d'ouvrir un livre, par crainte d'une explosion cérébrale. Elle ne fut rassurée que 2 ans plus tard, à la fin de mon premier trimestre scolaire, quand mon institutrice lui déclara que j'étais doué d'une mémoire surprenante, mais que ma maturité d'esprit était celle d'un enfant au berceau. De Saint-Loup, mon père fit un bond de comète. Car franchissant d'un seul coup les faubourgs, il fut nommé, à sa grande surprise,
instituteur titulaire à l'école du chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille. Il pouvait aller voir monsieur l'inspecteur d'académie sans la moindre convocation. Il était membre du jury du brevet élémentaire et même, parfois, du brevet supérieur. D'ailleurs, le concierge avait dit devant moi, à mon père charmé, que les 12 instituteurs des Chartreux étaient l'élite des maîtres et qu'au bout de 4 ou 5 ans de service, ceux qui le désiraient étaient immédiatement nommés directeurs et souvent à Marseille même. Cette déclaration du concierge de l'école du chemin des Chartreux fut souvent citée dans la famille et ma mère, qui en était toute glorieuse, la répéta devant Madame Mercier et Mademoiselle Guimard en ajoutant qu'après tout, ce concierge exagérait peut-être un peu, mais elle n'avait pas l'air de le croire. Elle était toujours pâle et frêle, mais heureuse, entre son Joseph, ses 2 garçons et sa machine à coudre toute neuve. Cette prodigieuse invention moderne me permettait de l'aider dans ses travaux. Agenouillée sous la petite table, devant sa robe, je faisais, avec mes mains, osciller la large pédale que j'arrêtais net au commandement. Mon frère Paul était un petit bonhomme de 3 ans, la peau blanche, les joues rondes, avec de grands yeux d'un bleu très clair et les boucles dorées de notre grand-père inconnu. Il était pensif, ne pleurait jamais et jouait tout seul sous une table avec un bouchon ou un bigoudi, mais sa voracité était surprenante. De temps à autre, il y avait un drame éclair. On le voyait tout à coup s'avancer, titubant, les bras écartés, la figure violette. Il était en train de mourir suffoqué. Ma mère affolée frappait dans son dos, enfonçait un doigt dans sa gorge ou le secouait en le tenant par les talons, comme fit jadis la mère d'Achille. Alors, dans un râle affreux, il expulsait une grosse olive noire, un noyau de pêche ou une longue lanière de lard. Après quoi, il reprenait ses jeux solitaires, accroupi comme un gros crapaud. Joseph était devenu magnifique. Il avait un costume neuf bleu marine, digne de l'école des Chartreux. Ses lunettes, jadis cerclées de fer, brillaient maintenant dans une monture d'or et leur verre s'était arrondi. Enfin, il portait une cravate d'artiste, une ganse noire aux 2 bouts pendants. Mais cette prétention était justifiée par le fait qu'il s'était associé à son collègue Arnaud pour travailler le jeudi et le dimanche matin à la reproduction des cartes murales de géographie que les éditions Vidal-Lablache leur payaient jusqu'à 100 francs l'une. Deuxième épisode. J'approchais de mes 6 ans et j'allais à l'école dans la classe enfantine que dirigeait Mademoiselle Guimard. Mademoiselle Guimard était très grande, avec une jolie petite moustache brune, et quand elle parlait, son nez remuait. Pourtant, je la trouvais laide, parce qu'elle était jaune comme un chinois et qu'elle avait de gros yeux bombés. Elle apprenait patiemment leurs lettres à mes petits camarades, mais elle ne s'occupait pas de moi parce que je lisais couramment ce qu'elle considérait comme une inconvenance préméditée de la part de mon père. En revanche, pendant les leçons de chant, elle disait devant toute la classe que je chantais faux et qu'il valait mieux me taire, ce que je faisais volontiers. Pendant que la marmaille s'époumonnait à suivre sa baguette, je restais muet, paisible, souriant. Les yeux fermés, je me racontais des histoires et je me promenais au bord de l'étang du parc Borély, qui est une sorte de parc de Saint-Cloud au bout du Prado de Marseille. Le jeudi et le dimanche, ma tante Rose, qui était la sœur aînée de ma mère et qui était aussi jolie qu'elle, venait déjeuner à la maison et me conduisait ensuite, au moyen d'un tramway, jusqu'en ces lieux enchantés. On y trouvait des allées ombragées par d'antiques platanes, des bosquets sauvages, des pelouses qui vous invitaient à vous rouler dans l'herbe, des gardiens pour vous le défendre, et des étangs où naviguaient des flottilles de canards. Nous nous installions sur un banc, toujours le même, devant un massif de lauriers, entre 2 platanes. Elle sortait un tricot de son sac et j'allais vaquer aux travaux de mon âge. Ma principale occupation était de lancer du pain aux canards. Ces stupides animaux me connaissaient bien.
Dès que je montrais un crouton, leur flottille venait vers moi à force de palmes et je commençais ma distribution. Lorsque ma tante ne me regardait pas, tout en leur disant d'une voix suave des paroles de tendresse, je leur lançais aussi des pierres, avec la ferme intention d'en tuer un. Cet espoir, toujours déçu, faisait le charme de ces sorties. Et dans le grinçant tramway du Prado, j'avais des frémissements d'impatience. Mais un beau dimanche, je fus péniblement surpris lorsque nous trouvâmes un monsieur assis sur notre banc. Sa figure était vieux rose. Il avait une épaisse moustache châtain, des sourcils roux et bien fournis, de gros yeux bleus un peu saillants. Sur ses tempes, quelques fils blancs. Comme de plus, il lisait un journal sans images, je le classai aussitôt parmi les vieillards. Ma tante voulut m'entraîner vers un autre campement, mais je protestai, c'était notre banc et ce monsieur n'avait qu'à partir. Il fut poli et discret. Sans mot dire, il glissa jusqu'au bout du siège et tira près de lui son chapeau melon, sur lequel était posée une paire de gants de cuir, signe incontestable de richesse et d'une bonne éducation. Ma tante s'installa à l'autre bout, sortit son tricot et je courus avec mon petit sac de croûtons vers le bord de l'étang. Je choisis d'abord une très belle pierre, grande comme une pièce de 5 francs, assez plate et merveilleusement tranchante. Par malheur, un garde me regardait. Je la cachai donc dans ma poche. Et je commençai ma distribution avec des paroles si plaisantes et si affectueuses que je fus bientôt en face de toute une escadre rangée en demi-cercle. Le garde, un blasé, me parut peu intéressé par ce spectacle. Il tourna simplement le dos et s'en alla à pas compter. Je sortis aussitôt ma pierre et j'eus la joie, un peu inquiète, d'atteindre en pleine tête le vieux père canard. Mais au lieu de chavirer et de couler à pic, comme je l'espérais, ce dur à cuire vira de bord et s'enfuit à toute palme en poussant de grands cris d'indignation. À 10 mètres du bord, il s'arrêta et se tourna de nouveau vers moi. Debout sur l'eau et battant des ailes, il me lança toutes les injures qu'il savait, soutenues par les cris déchirants de toute sa famille. Le garde n'était pas bien loin. Je courus me réfugier auprès de ma tante. Elle n'avait rien vu, elle n'avait rien entendu, elle ne tricotait pas. Elle faisait la conversation avec le monsieur du banc. « Oh, le charmant petit garçon !» dit-il. « Quel âge as-tu ? » « 6 ans. »« Il en paraît 7, » dit le monsieur. Puis il fit compliment sur ma bonne mine et déclara que j'avais vraiment de très beaux yeux. Elle se hâta de dire que je n'étais pas son fils, mais celui de sa sœur. Et elle ajouta qu'elle n'était pas mariée. Sur quoi l'aimable vieillard me donna 2 sous pour aller acheter des oublis au marchand qui était au bout de l'allée. Quand il fut l'heure de rentrer, le monsieur prit le tramway avec nous. Il paya même nos places, malgré les très vives protestations de ma tante, qui en était, à mon grand étonnement, toute rougissante. J'ai compris, beaucoup plus tard, qu'elle s'était considérée comme une véritable courtisane, parce qu'un monsieur encore inconnu avait payé 3 sous pour nous. Nous le quittâmes au terminus, et il nous fit de grandes salutations avec son chapeau melon à bout de bras. En arrivant sur la porte de notre maison, ma tante me recommanda, à voix basse, de ne parler jamais à personne de cette rencontre. Elle m'apprit que ce monsieur était le propriétaire du parc Borelli, que si nous disions un seul mot de lui, il le saurait certainement et qu'il nous défendrait d'y retourner. Comme je lui demandai pourquoi, elle me répondit que c'était un secret. Je fus charmé de connaître, sinon un secret, du moins son existence. Je promis et je tins parole. Nos promenades au parc devinrent de plus en plus fréquentes, et l'aimable propriétaire nous attendait toujours sur notre banc. Dès que nous arrivions, il me confiait d'abord au berger des ânes, que je chevauchais pendant des heures, puis à l'omnibus, traîné par 4 chèvres, puis au patron du toboggan. Je savais que ces largesses ne lui coûtaient rien, puisque tout le parc lui appartenait, mais je n'en étais pas moins très reconnaissant, et j'étais fier d'avoir un ami si riche et qui me prouvait un si parfait amour. Six mois plus tard, en jouant aux cachettes avec mon frère Paul, je m'enfermai dans le bas du buffet après avoir repoussé les assiettes. Pendant que Paul me cherchait dans ma chambre et que je retenais mon souffle, mon père, ma mère et ma tante entrèrent dans la salle à manger. Ma mère disait « Tout de même, 37 ans, c'est bien vieux. »« Allons donc, » dit mon père,
J'aurai 30 ans à la fin de l'année, et je me considère comme un homme encore jeune. 37 ans, c'est la force de l'âge. Et puis Rose n'a pas 18 ans. J'ai 26 ans, dit la tante Rose, et puis il me plaît. Qu'est-ce qu'il fait à la préfecture? Il est sous-chef de bureau, il gagne 220 francs par mois. Eh eh, dit mon père, et il a de petites rentes qui lui viennent de sa famille. Oh oh, dit mon père. Il m'a dit que nous pouvions compter sur 350 francs par mois. J'entendis un long sifflement, puis mon père ajouta « Eh bien, ma chère Rose, je vous félicite. » « Mais au moins, est-ce qu'il est beau ?»« Oh non !» dit ma mère. « Ça pourrait être beau, il n'est pas beau. » Alors je poussai brusquement la porte du buffet, je sautai sur le plancher et je criai « Oui, il est beau, il est superbe !» Et je courus vers la cuisine, dont je fermai la porte à clé. C'est à la suite de tous ces événements que le propriétaire vint un jour à la maison, accompagné de ma tante Rose. Il montrait un large sourire, sous les ailes d'un chapeau melon qui était d'un noir lustré. La tante Rose était toute rose, vêtue de rose des pieds à la tête, et ses beaux yeux brillaient derrière une voilette bleue accrochée au bord d'un canotier. Ils revenaient tous deux d'un court voyage, et il y eut de grandes embrassades. Oui, le propriétaire, sous nos yeux stupéfaits, embrassa ma mère, puis mon père. Ensuite, il me prit sous les aisselles, me souleva, me regarda un instant et dit « Maintenant, je m'appelle l'oncle Jules, parce que je suis le mari de tante Rose. » L'oncle Jules était né au milieu des vignes, dans ce roussillon doré où tant de gens roulent tant de barriques. Il avait laissé le vignoble à ses frères et il était devenu l'intellectuel de la famille, car il avait fait son droit. Mais il était resté fièrement catalan. Et sa langue roulait les airs comme un ruisseau roule des graviers. Mon oncle Jules devint très vite mon grand ami. Il me félicitait souvent d'avoir tenu la parole donnée et d'avoir gardé le secret au temps des rendez-vous au parc Borély. Il disait à qui voulait l'entendre que cet enfant ferait un grand diplomate ou un officier de premier ordre. Il tenait beaucoup à voir mes bulletins scolaires et me récompensait ou me consolait par des jouets ou des sachets de berlingots. Cependant, comme je lui conseillais un jour de faire construire une petite maison dans son admirable parc Borély avec un balcon pour voir les cyclistes, il m'avoua, sur le mode badin, qu'il n'en avait jamais été le propriétaire. Je fus consterné par la perte instantanée d'un si beau patrimoine et je regrettai d'avoir si longtemps admiré un imposteur. De plus, je découvris ce jour-là que les grandes personnes savaient mentir aussi bien que moi et il me sembla que je n'étais plus en sécurité parmi elles. Mais d'un autre côté, cette révélation, qui justifiait mes propres mensonges passés, présents et futurs, m'apporta la paix du cœur. Et lorsqu'il était indispensable de mentir à mon père, et que ma petite conscience protestait faiblement, je lui répondais « Comme l'oncle Jules !» Alors l'œil naïf et le front serein, je mentais admirablement. 2 années passèrent. Je triomphai de la règle de 3, j'appris avec une joie inépuisable l'existence du lac Titicaca, puis Louis X le Hutin, Ibouchou-Genou, et ses règles désolantes qui gouvernent les participes passés. Mon frère Paul, de son côté, avait jeté son abécédaire et il abordait le soir dans son lit la philosophie des pieds nickelés. Une petite sœur était née et, tout justement pendant que nous étions tous les deux chez ma tante Rose, qui nous avait gardé 2 jours pour faire sauter les crêpes de la Chandeleur. Cette invitation malencontreuse m'empêcha de vérifier pleinement l'hypothèse audacieuse de Mangiapan, qui était mon voisin en classe et qui prétendait que les enfants sortaient du nombril de leur mère. Cette idée m'avait d'abord paru absurde. Mais un soir, après un assez long examen de mon nombril, je constatai qu'il avait vraiment l'air d'une boutonnière, avec au centre une sorte de petit bouton. J'en conclus qu'un déboutonnage était possible et que Mangiapan avait dit vrai. Cependant, je pensai aussitôt que les hommes n'ont pas d'enfants. Ils n'ont que des fils et des filles qui les appellent papa. Mais les enfants venaient sûrement de la mère, comme les chiens et les chats. Donc, mon nombril ne prouvait rien. Tout au contraire, son existence chez les mâles affaiblissait grandement l'autorité de Mangiapan. Que croire? Que penser? En tout cas, puisqu'une petite sœur venait de naître, c'était le moment d'ouvrir les yeux et les oreilles et de percer le grand secret. Nous retrouvâmes ma mère
souriante, mais pâle et sans force, dans le grand lit. Auprès d'elle, dans un berceau, une petite créature grimaçante poussait des cris de mirliton. L'hypothèse de Mangiapan me parut démontrée, et j'embrassai ma mère tendrement, en songeant à ses souffrances au moment où il avait fallu déboutonner son nombril. La petite créature nous parut d'abord étrangère. De plus, notre mère lui donnait le sein, ce qui me choquait beaucoup et qui effrayait Paul. Il disait « Elle nous la mange 4 fois par jour ». Mais quand elle se mit à tituber et à bégayer, elle nous révéla notre force et notre sagesse, et nous l'adoptâmes définitivement. Un beau soir du mois d'avril, je rentrais de l'école avec mon père et Paul. C'était un mercredi, le plus beau jour de la semaine, car nos jours ne sont beaux que par leur lendemain. Tout en marchant le long du trottoir de la rue Tivoli, mon père me dit « Crapaud, j'aurai besoin de toi demain matin. Pourquoi faire ? Tu le verras bien, c'est une surprise. » « Moi aussi tu as besoin de moi ?» demanda Paul inquiet. « Bien sûr, » dit mon père. « Mais Marcel viendra avec moi et toi tu resteras à la maison pour surveiller la femme de ménage qui va balayer la cave. C'est très important. »« Moi d'habitude, » dit Paul, « j'ai peur d'aller dans la cave, mais avec la femme de ménage, je n'aurai pas peur. » Le lendemain vers 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant une sonnerie de clairon, puis il rejeta mes couvertures au pied de mon lit. « Il faut que tu sois prêt dans une demi-heure. Je vais me raser. » Je frottai mes yeux à poings fermés, je m'étirai, je me levai. Paul avait disparu sous ses draps et il n'en sortait qu'une boucle de cheveux dorés. Le jeudi était un jour de grande toilette et ma mère prenait ces choses-là très au sérieux. Je commençai par m'habiller des pieds à la tête, puis je fis semblant de me laver à grande eau. C'est-à-dire que 20 ans avant les bruiteurs de la radiodiffusion, je composais la symphonie des bruits qui suggère une toilette. J'ouvris d'abord le robinet du lavabo et je le mis adroitement dans une certaine position qui faisait ronfler les tuyaux. Ainsi mes parents seraient informés du début de l'opération. Pendant que le jet d'eau bouillonnait bruyamment dans la cuvette, je regardais à bonne distance. Au bout de 4 ou 5 minutes, je tournai brusquement le robinet qui publia sa fermeture en faisant d'un coup de bélier trembler la cloison. J'attendis un moment que j'employai à me coiffer. Alors je fis sonner sur le carreau le petit tube de tôle et je rouvris le robinet. Mais lentement, à très petits coups, il siffla, miaula et reprit le ronflement saccadé. Je le laissai couler une bonne minute, le temps de lire une page des pieds nickelés. Au moment même où Croquignol, après un croche-pied à l'agent de police, prenait la fuite au-dessus de la mention à suivre, je le refermai brusquement. Mon succès fut complet, car j'obtins une double détonation qui fit onduler le tuyau. Encore un choc sur la tôle du tube, et j'eus terminé, dans le délai prescrit, une toilette plausible, sans avoir touché une goutte d'eau. Je trouvai mon père assis devant la table de la salle à manger. Il était en train de compter de l'argent. En face de lui, ma mère buvait son café. Ses nattes noires qui avaient des reflets bleus pendaient jusqu'à terre derrière sa chaise. Mon café au lait était servi. Elle me demanda « Tu t'es lavé les pieds ?» Comme je savais qu'elle attachait une importance particulière à cette opération futile et dont la nécessité me paraissait inexplicable puisque les pieds, ça ne se voit pas, je répondis avec assurance « Tous les deux !» « Tu t'es coupé les ongles ?» Il me sembla que l'aveu d'un oubli confirmerait la réalité du reste. « Non, » dis-je, « je n'y ai pas pensé. Mais je les ai taillés dimanche. »« Bien, » dit-elle. Elle parut satisfaite. Je le fus aussi. Pendant que je croquais mes tartines, mon père dit « Tu ne sais pas où nous allons. Eh bien voilà. Ta mère a besoin d'un peu de campagne. J'ai donc loué, de moitié avec l'oncle Jules, une villa dans la colline. Et nous y passerons les grandes vacances. » Je fus émerveillé. « Et où est-elle, cette villa ?»« Loin de la ville, au milieu des pins. »« C'est très loin ?»« Oh oui, » dit ma mère. « Il faut prendre le tramway et marcher ensuite pendant des heures. » « Alors c'est sauvage ?»« Ah c'est ?» dit mon père. « C'est juste au bord d'un désert de garrigues qui va d'Aubagne jusqu'à Aix, un vrai désert. » Paul arrivait, pieds nus, pour savoir ce qui se passait, et il demanda « Est-ce qu'il y a des chameaux ?»« Non, » dit mon père, « il n'y a pas de chameaux. » « Et des rhinocéros ?»« Je n'en ai pas vu. » J'allais poser 1000 questions, lorsque ma mère me dit « Mange !» Et comme j'oubliais ma tartine, elle poussa ma main vers ma bouche. Puis, elle se tourna vers Paul.
Toi, va d'abord mettre tes pantoufles, sinon tu vas nous faire encore une angine. Allez, file. » Il fila. Je demandai, « Alors, tu m'emmènes dans la colline ce matin ?»« Non, » dit mon père, « pas encore. Cette villa est toute vide et il va falloir la meubler. Seulement, les meubles neufs coûtent très cher. Alors nous allons ce matin chez le brocanteur des quatre chemins. » Je suivis mon père dans la rue. Au bord du trottoir, je vis une petite charrette à bras qu'il avait empruntée au voisin. En grosses lettres noires sur la ridelle, on lisait « Bergougna, bois et charbon ». Mon père entra dans les brancards, à reculons. « J'ai besoin de toi, me dit-il, pour serrer la mécanique quand nous descendrons la rue Tivoli. » Je regardais au loin cette rue qui montait vers le ciel par une pente de toboggan. « Mais papa, lui dis-je, elle monte la rue Tivoli. » « Oui, me dit-il, maintenant elle monte, mais je suis presque sûr qu'au retour, elle descendra, et au retour, nous serons chargés. Pour le moment, installe-toi sur le charton. » Je pris place au beau milieu du plateau, pour en assurer l'équilibre. Ma mère, derrière la grille bombée de la fenêtre, nous regardait partir. « Surtout, dit-elle, prenez garde au tramway. » Sur quoi mon père, pour exprimer sa confiance, poussa un joyeux hennissement, lança deux petites ruades et partit au galop vers l'aventure. Nous nous arrêtâmes au bout du boulevard de la Madeleine, devant une boutique noirâtre. Elle commençait sur le trottoir, qui était encombré de meubles hétéroclites, autour d'une très vieille pompe à incendie à laquelle était accroché un violon. Le maître de ce commerce était très grand, très maigre et très sale. Il portait une barbe grise et des cheveux de troubadour sortaient d'un grand chapeau d'artiste. Son air était mélancolique et il fumait une pipe en terre. Mon père lui avait déjà rendu visite et avait retenu quelques meubles. Une commode, deux tables et plusieurs fagots de morceaux de bois poli qui, selon le brocanteur, devait permettre de reconstituer six chaises. Il y avait aussi un petit canapé qui perdait ses entrailles comme un cheval de toréador, trois sommiers crevés, des paillasses à moitié vides, un bahut qui n'avait plus ses étagères, une gargoulette qui représentait assez schématiquement un coq et divers ustensiles de ménage que la rouille appareillait. Le brocanteur nous aida à charger tout ce fourniment sur la charrette à bras qui avait laissé tomber une béquille, comme font les ânes au printemps. Le tout fut arrimé avec des cordes qu'un long usage avait rendues chevelues. Puis on fit les comptes. Après une sorte de méditation, le brocanteur regarda fixement mon père et dit « Ça fait 50 francs. »« Oh oh !» dit mon père. « C'est trop cher. »« C'est cher mais c'est beau, » dit le brocanteur. « La commode est d'époque. » Il montrait du doigt cette ruine vermoulue. « Je le crois volontiers, » dit mon père. « Elle est certainement d'une époque, mais pas de la nôtre. » Le brocanteur prit un air dégoûté et dit « Vous aimez tellement le moderne ?»« Ma foi, dit mon père, je n'achète pas ça pour un musée, c'est pour m'en servir. » Le vieillard parut attristé par cet aveu. « Alors, dit-il, ça ne vous fait rien de penser que ce meuble a peut-être vu la reine Marie-Antoinette en chemise de nuit ?»« D'après son état, dit mon père, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait vu le roi Hérode en caleçon. » »« Là, je vous arrête, dit le brocanteur, et je vais vous apprendre une chose. Le roi Hérode avait peut-être des caleçons. » Mais il n'avait pas de commode. Rien que des coffres à clous d'or et des espèces de cocottes en bois. Je vous le dis parce que je suis honnête. « Je vous remercie, » dit mon père, « et puisque vous êtes honnête, vous me faites le tout à 35 francs. » Le brocanteur nous regarda tour à tour, hocha la tête avec un douloureux sourire et déclara « Ce n'est pas possible parce que je dois 50 francs à mon propriétaire qui vient encaisser à midi. » « Alors, » dit mon père indigné, « si vous lui deviez 100 francs, vous oseriez me les demander ? Il faudrait bien !» « Où voulez-vous que je les prenne ?»« Remarquez que si je ne devais que 40 francs, je vous demanderais 40. Si je devais 30, ça serait 30. »« Mais dans ce cas, dit mon père, je ferais mieux de revenir demain, quand vous l'aurez payé et que vous ne lui devrez plus rien. »« Ah, maintenant ce n'est plus possible, s'écria le brocanteur. Il est 11 heures juste, vous êtes tombé dans ce coup-là, vous n'avez plus le droit d'en sortir. D'ailleurs, je reconnais que vous n'avez pas eu de chance de venir aujourd'hui. Mais quoi, à chacun son destin. » Vous, vous êtes jeune et frais, vous êtes droit comme un i, vous avez deux yeux superbes. Tant qu'il y aura des bossus et des borgnes, vous n'aurez pas le droit de vous plaindre. C'est 50 francs. Bien, dit mon père, dans ce cas, nous allons décharger ces débris et nous irons nous servir ailleurs.
Petit, détache les cordes. » Le brocanteur me retint par le bras en criant « Attendez !» Puis il regarda mon père avec une tristesse indignée, secoua la tête et me dit « Comme il est violent !» Il s'avança vers lui et parla solennellement. « Sur le prix, ne discutons plus. C'est 50 francs. Ça m'est impossible de le raccourcir. Mais nous pouvons peut-être allonger la marchandise. » Il entra dans sa boutique. Mon père me fit un clin d'œil triomphal et nous le suivîmes. « Premièrement, dit-il, puisque vous aimez le moderne, je vous donne en plus cette table de nuit en tôle entaillée et ce robinet col de cygne nickelé par galvanoplastie. Vous ne me direz pas que ce n'est pas moderne. Deuxièmement, je vous donne ce fusil arabe damasquiné qui n'est pas un fusil à pierre mais à capsule. Admirez la longueur du canon, on dirait une canne à pêche. Je vous donne en plus ce pare-étincelle en cuivre découpé, ce parapluie de berger qui sera comme neuf si vous changez seulement la toile, ce tam-tam de la Côte d'Ivoire qui est une pièce de collection et ce fer à repasser de tailleur. Est-ce que ça va ? C'est honnête, dit mon père. Mais je voudrais aussi cette vieille cage à poules. Hé hé, dit le brocanteur, je reconnais qu'elle est vieille. Mais elle peut servir aussi bien qu'une neuve. Enfin, puisque c'est vous, je vous la donne. Mon père lui tendit un billet mauve de 50 francs. Il le prit gravement, avec un salut de la tête. Enfin, comme nous finissions de glisser notre butin sous les cordes déjà tendues, pendant qu'il rallumait sa pipe, il dit tout à coup « Attendez, j'ai encore une surprise pour vous !» Et il rentra dans sa boutique en courant. Mais mon père, qui avait passé la bricole, démarra brusquement et descendit à bonne allure le boulevard de la Madeleine, tandis que le généreux vieillard, reparu au bord du trottoir, brandissait à bout de bras un immense drapeau de la Croix-Rouge que nous jugeâmes inutile d'aller chercher. Lorsque ma mère, qui nous attendait à la fenêtre, vit arriver ce chargement, elle disparut aussitôt pour reparaître sur le seuil. « Joseph, dit-elle, tu ne vas pas rentrer toutes ces saletés dans la maison ?»« Ces saletés, dit mon père, vont être la base d'un mobilier rustique que tu ne te lasseras pas de regarder. Laisse-nous seulement le temps d'y travailler. Mes plans sont faits et je sais où je vais. » Ma mère secoua la tête et soupira, tandis que le petit Paul accourait pour aider au déchargement. Nous transportâmes tout le matériel à la cave où mon père avait décidé d'installer notre atelier. Nous commençâmes par l'assemblage des chaises. C'était un puzzle, et d'autant plus difficile à résoudre que les barreaux n'entraient pas dans les trous des montants et qu'ils n'étaient pas tous de la même longueur. Nous allâmes revendiquer chez l'antiquaire, qui feignit d'abord de s'étonner, puis nous donna une botte de barreaux. À grand renfort de colle-forte, dont je faisais fondre les galettes dans de l'eau tiède, les 6 chaises furent reconstituées, puis vernies. Ce fut ensuite le tour de la commode, dont les tiroirs étaient si fortement coincés qu'il fallut démonter tout le meuble et user longuement du rabot. Ces travaux, qui ne durèrent pas plus de 3 mois, occupent cependant, dans ma mémoire, une place considérable, car j'y ai découvert l'intelligence de mes mains et la prodigieuse efficacité des plus simples outils. Un beau jeudi matin, nous pûmes installer, le long du corridor de l'immeuble, le mobilier des grandes vacances. L'oncle Jules avait été convoqué, à titre d'admirateur probable, et notre ami le brocanteur était venu en expert. L'oncle admira, le brocanteur expertisa. Il loua les tenons, il approuva les mortaises et trouva les collages parfaits. Puis comme l'ensemble ne ressemblait à rien, il déclara que c'était du rustique provençal, ce qui fut doctoralement approuvé par l'oncle Jules. Troisième épisode. La première quinzaine de juillet fut bien longue. Les meubles attendaient dans le couloir et nous attendions à l'école où nous ne faisions pas grand-chose. Je me répétais sans cesse quelques mots magiques. La villa, les pinèdes, les collines, les cigales. Il y en avait bien quelques-unes au bout des platanes scolaires, mais je n'en avais jamais vu de près, tandis que mon père m'en avait promis des milliers et presque toujours à portée de la main. C'est pourquoi, écoutant les chanteuses égarées qui nous narguaient, invisibles dans les hauts feuillages, je pensais, sans la moindre poésie, «
toi, ma vieille, quand nous serons dans les collines, je te mettrai la paille au cul. » Telle est la gentillesse des petits anges de 8 ans. Un soir, l'oncle Jules et la tante Rose vinrent dîner à la maison. Ce fut un dîner-conférence pour la préparation du grand départ qui devait avoir lieu le lendemain. L'oncle Jules, qui se flattait d'être un organisateur, déclara d'abord qu'à cause de l'état des chemins, il n'était pas possible de louer une voiture importante, qui aurait d'ailleurs coûté une fortune, peut-être même 20 francs. Il avait donc loué 2 voitures, un petit camion de déménagement qui transporterait ses propres meubles, ainsi que sa femme, son fils et lui-même, au prix de 7 francs 50. Pour nous, il avait trouvé un paysan qui s'appelait François et dont la ferme était à quelques centaines de mètres de la villa. Ce François venait 2 fois par semaine vendre ses fruits au marché de Marseille. En remontant chez lui, il transporterait notre mobilier au prix raisonnable de 4 francs. Cet arrangement enchanta mon père, mais Paul demanda « Et nous, nous monterons sur la charrette ?»« Vous ?» dit l'organisateur. « Vous prendrez le tramway jusqu'à la Barrasse. Et de là, vous rejoindrez votre paysan Pedibus cum jambis. Augustine aura une petite place sur le chariot, et les 3 hommes suivront à pied, avec le paysan. » Les 3 hommes acceptèrent cette idée avec joie, et la conversation, qui dura jusqu'à 11 heures, devint absolument féerique. Car l'oncle Jules parla de chasse, puis mon père parla des insectes, si bien que jusqu'à mon réveil, je tirai des coups de fusil sur des 1000 pattes, des sauterelles et des scorpions. Le lendemain matin, dès 8 heures, nous étions prêts et déjà revêtus du costume des vacances. Culotte de toile écrue et chemise à manches courtes, blanches mais ornées de cravates bleues. Le paysan nous avait prévenu, l'heure de notre départ ne dépendait point de son zèle, mais de la vitesse d'écoulement de ses abricots. Elle ne fut pas très rapide ce jour-là, car à midi il n'était pas encore arrivé. Nous déjeunâmes donc, dans la maison déjà morte, de saucissons et de viande froide, et nous courions sans cesse à la fenêtre pour guetter l'arrivée du messager des vacances. Il parut enfin. C'était une charrette bleue, d'un bleu délavé, qui laissait transparaître les fibres du bois. Les roues très hautes avaient un jeu latéral considérable. Quand elles arrivaient à bout de jeu, c'est-à-dire à chaque tour, il y avait un choc tintant. Les cercles de fer tressautaient sur les pavés, les brancards gémissaient, les sabots du mulet faisaient sauter des étincelles. C'était le chariot de l'aventure et de l'espoir. Le paysan qui le conduisait n'avait ni veste ni blouse, mais un gilet tricoté, d'une laine épaisse, feutrée par la crasse. Il parlait provençal, il riait et faisait claquer une longue lanière au bout d'un manche de jonc tressé. Aidé de mon père et grandement gêné par les efforts du petit Paul, qui s'accrochait aux plus gros meubles en prétendant les transporter, le paysan chargea la charrette, c'est-à-dire qu'il y entassa le mobilier en pyramide. Il en assura ensuite l'équilibre par un treillis de cordes, cordelettes et ficelles, et jeta sur le tout une barge trouée. Alors il s'écria en provençal « Cette fois-ci nous y sommes !» Et il alla prendre la bride du mulet qu'il fit démarrer au moyen de plusieurs injures blessantes accompagnées de violentes saccades sur le mors du peu sensible animal. Nous suivîmes nos biens meubles comme un char funéraire jusqu'au boulevard Mérentier. Là, nous quittâmes le paysan et nous allâmes prendre le tramway. Dans un brillant tintamarre de ferraille, au tremblement cliquetant de ses vitres et avec de longs cris aigus dans les courbes, le prodigieux véhicule s'élança vers l'avenir. Comme nous n'avions pu trouver une place sur les banquettes, nous étions debout, ô merveille, sur la plateforme avant. Lentement, patiemment, en utilisant les cahots et les coups de frein, je me glissais entre mes voisins et j'arrivais enfin près de lui. Alors, les rails luisants s'avancèrent vertigineusement vers moi, le vent de la vitesse souleva la visière de ma casquette et bourdonna dans le pavillon de mes oreilles. Nous dépassâmes en 2 secondes un cheval lancé au galop. Je n'ai jamais retrouvé, sur les machines les plus modernes, cet orgueil triomphal d'être un petit homme, vainqueur de l'espace et du temps. Mais ce bolide de fer et d'acier, qui nous rapprochait des collines, ne nous y conduisait pas. Il fallut le quitter dans l'extrême banlieue de Marseille, en un lieu nommé la Barrasse,
et il continua sa course folle vers Aubagne. Mon père, qui avait déplié un plan, nous guida jusqu'à l'embouchure d'une petite route poudreuse qui fuyait la ville entre deux bistrots. Au bout d'une petite heure de marche, notre chemin en coupa un autre, à travers une sorte de place ronde, parfaitement vide. Mais dans le creux de l'un des quarts de cercle, il y avait un banc de pierre. Ma mère y fut installée et mon père déplia son plan. « Voilà, dit-il, l'endroit où nous avons quitté le tramway. Voilà l'endroit où nous sommes en ce moment. Et voilà le carrefour des quatre saisons où notre déménageur nous attend, à moins que nous ne soyons obligés de l'attendre. » Nous marchâmes encore une heure, le long des murs entre lesquels nous étions forcés de rouler comme les billes des jeux de patience. Nous arrivâmes devant le bar rustique des quatre saisons et allâmes nous asseoir sur le parapet qui bordait la route. Ma mère ouvrit le paquet du goûter et nous commençâmes à dévorer le pain craquant et doré d'autrefois, le tendre saucisson marbré de blanc, où je cherchais d'abord le grain de poivre comme la fève du gâteau des rois, et l'orange longtemps bercée sur les balancelles espagnoles. Cependant, ma mère disait, soucieuse, « Joseph, c'est bien loin. »« Et nous n'y sommes pas encore, » dit joyeusement mon père. « Il nous reste au moins une heure de marche. » « Aujourd'hui, nous n'avons pas de paquet, mais quand il faudra monter des provisions ?»« On les montera, » dit mon père. « Maman, nous sommes trois hommes, » dit Paul. « Toi, tu ne porteras rien. »« Bien sûr, » dit mon père. « Ce sera une promenade un peu longue, mais tout de même une promenade hygiénique. De plus, nous ne pourrons venir que pour la Noël, Pâques et les grandes vacances, en tout trois fois par an. Et puis, nous partirons le matin de bonne heure, et nous déjeunerons sur l'herbe, à mi-chemin. Puis, nous nous arrêterons encore une fois pour goûter. » Et ensuite, tu as vu ces rails? Je te parie qu'avant 6 mois, le tramway nous déposera à la Croix, c'est-à-dire à 600 mètres d'ici. Il ne restera pas une heure de marche. À ces mots, je vis jaillir les rails de l'herbe et s'encastrer dans les pavés, tandis que s'annonçait au loin le sourd grondement d'un tramway. Toutefois, levant la tête, ce n'est pas la puissante machine que je vis arriver, mais la branlante pyramide de notre déménagement. Paul poussa un cri de joie et courut à la rencontre du mulet. Le paysan le prit par les hanches et le mit à califourchon sur l'encolure de l'animal. C'est ainsi qu'il vint à notre hauteur. Cramponné au collier, ivre de fierté et de peur, il avait un petit sourire à mi-chemin entre la joie et la panique. Cependant, une honteuse jalousie me dévorait. La charrette s'arrêta et le paysan nous dit « Maintenant, on va installer madame ». Il plia en quatre un sac, qu'il étala sur le plateau du véhicule à la naissance du brancard. Mon père y posa ma mère, les jambes pendantes, plaça dans ses bras la petite sœur, dont la bouche était entourée par des festons de chocolat, et se mit en marche auprès d'elle, tandis que, grimpé sur le parapet, je suivais en dansant l'équipage. L'horizon devant nous était caché par les hautes futaies couronnées de feuillages qui bordaient les lacets du chemin. Mais après 20 minutes de marche, nous découvrîmes tout à coup un petit village, planté en haut d'une colline, entre deux vallons. Le paysage était fermé, à droite et à gauche, par deux appics de roches que les Provençaux appellent des barres. « Voilà le village de la Treille, » dit mon père. Nous étions au pied d'une montée abrupte. « Ici, dit le paysan, faudrait que madame descende et que nous poussions un peu la charrette. » Le mulet, de lui-même, s'était arrêté et ma mère sauta sur le sol poudreux. Le paysan détrôna Paul, puis, sous le ventre du chariot, il ouvrit une sorte de tiroir et en sortit deux gros coins de bois. Il en tendit un à ma mère, surprise. « C'est des cales, dit-il. « Quand je vous le dirai, vous poserez celle-là par terre, derrière la roue de ce côté. » Elle parut heureuse de collaborer à une entreprise d'hommes et prit la grosse cale dans ses petites mains. « Et moi, dit Paul, je mettrai l'autre. » Sa proposition fut acceptée et je fus profondément vexé par cette nouvelle violation du droit d'aînesse. Mais j'eus une revanche éclatante, car le paysan me tendit son fouet, un très gros fouet de roulier, et dit « Toi, tu frapperas le mulet. » « Sur les fesses ?»« De partout, et avec le manche. » Puis il cracha dans ses mains, rentra la tête dans ses épaules, et les deux bras en avant, il s'arc-bouta contre l'arrière du chariot. Son corps était presque horizontal. Mon père prit de lui-même la même posture.
Alors le paysan hurla quelques injures graves à l'adresse du mulet, puis me cria « Picot, picot !» et il poussa de toutes ses forces. Je frappai la bête, non pas méchamment, mais comme pour lui donner le signal de l'effort. Tout l'équipage s'ébranla et parcourut une trentaine de mètres. Alors le paysan, sans lever la tête entre deux halètements, cria « La cale, la cale !» Ma mère, qui suivait la roue, posa prestement le coin de bois sous la jante de fer. Paul l'imita avec une aisance remarquable et le véhicule s'immobilisa pour un repos de 5 minutes. Le paysan le mit à profit pour me dire qu'il fallait frapper beaucoup plus fort et de préférence sous le ventre. Paul hurla « Non, non, je ne veux pas !» Et comme mon père allait s'attendrir sur la bonté du petit bonhomme, Paul montra du doigt le paysan surpris et cria « Il faut lui crever les yeux !»« Oh oh !» dit François indigné. « Me crever les yeux, à moi! Qu'est-ce que c'est que ce sauvage? Je crois qu'il faudrait mieux l'enfermer dans le tiroir. » Il fit mine de l'ouvrir. Paul courut s'agripper au pantalon paternel. « Voilà ce que c'est, dit gravement mon père, de vouloir crever les yeux aux gens. On finit par se faire enfermer dans les tiroirs. » Chacun reprit sa place. Je frappai le mulet sous le ventre, pas trop fort, mais en hurlant des ordres dans ses oreilles, tandis que le paysan l'appelait « carcan, carogne » et l'accusait de se nourrir d'excréments. Par un suprême effort, nous atteignîmes le village, ou plutôt le hameau, dont les tuiles rougeâtres étaient d'une longueur antique. De très petites fenêtres perçaient les murs épais. Il y avait à gauche une esplanade bordée de platanes et soutenue par un mur penché en arrière, qui avait bien 10 mètres de haut. À droite, c'était la rue. Je dirais la rue principale, s'il y en avait eu une autre. Mais on n'y rencontrait qu'une petite traverse, qui n'avait que 10 mètres de long et qui avait encore trouvé le moyen de faire un crochet à 2 angles droits pour atteindre la place du village. Plus petite qu'une cour d'école, la placette était ombragée par un très vieux mûrier, au tronc creusé de profondes crevasses, et 2 acacias. Partis à la rencontre du soleil, ils essayaient de dépasser le clocher. Au milieu de la place, la fontaine parlait toute seule. C'était une conque de pierre vive, accrochée comme une bobèche autour d'une stèle carrée d'où sortait le tuyau de cuivre. Ayant dételé le mulet, car la charrette n'aurait pu le suivre, François le conduisit à la conque et la bête but longuement tout en battant ses flancs de sa queue. Le mulet fut remis entre les brancards et nous sortîmes du village. Alors commença la féerie et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Un immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu'au ciel. De noires pinèdes séparées par des vallons allaient mourir comme des vagues au pied de 3 sommets rocheux. Autour de nous, des croupes de collines plus basses accompagnaient notre chemin qui serpentait sur une crête entre 2 vallons. Un grand oiseau noir, immobile, marquait le milieu du ciel et de toutes parts, comme d'une mer de musique, montait la rumeur cuivrée des cigales. Elles étaient pressées de vivre et savaient que la mort viendrait avec le soir. Le paysan nous montra les sommets qui soutenaient le ciel au fond du paysage. À gauche, dans le soleil couchant, un gros piton blanc étincelait au bout d'un énorme cône rougeâtre. « Celui-là, dit-il, c'est tête rouge. » À sa droite brillait un pic bleuté, un peu plus haut que le premier. Il était fait de 3 terrasses concentriques qui s'élargissait en descendant. Celui-là, dit le paysan, c'est le Taoumé. Puis, pendant que nous admirions cette masse, il ajouta, on lui dit aussi le Tubé. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda mon père. Ça veut dire que ça s'appelle le Tubé ou bien le Taoumé. Mais quelle est l'origine de ces mots? L'origine, c'est qu'il a 2 noms, mais personne ne sait pourquoi. Vous aussi, vous avez 2 noms, et moi aussi. Pour abréger cette savante explication, qui ne me parut pas décisive, il fit claquer son fouet aux oreilles du mulet, qui répondit par une pétarade. Au fond, à droite, mais beaucoup plus loin, une pente finissait dans le ciel, portant sur son épaule le 3e piton de roche, penché en arrière, qui dominait tout le paysage. « Ça, c'est Garlaban. Aubagne est de l'autre côté, juste au pied. »« Moi, dis-je, je suis né à Aubagne. » « Alors, dit le paysan, tu es d'ici. » Je regardai ma famille avec fierté, puis le noble paysage avec une tendresse nouvelle.
On ne voyait pas de hameau, pas une ferme, pas même un cabanon. Le chemin montait toujours et nous approchions des pinèdes. À gauche, le coteau descendait par d'étroites terrasses jusqu'au fond d'un vallon verdoyant. Les terrasses de ce vallon étaient couvertes d'oliviers à 4 ou 5 troncs plantés en rond. Ils se penchaient un peu en arrière pour avoir la place d'épanouir leur feuillage qui formait un seul bouquet. Il y avait aussi des amandiers d'un vert tendre et des abricotiers luisants. Je ne savais pas les noms de ces arbres, mais je les aimais aussitôt. Entre eux, la terre était inculte et couverte d'une herbe jaune et brune dont le paysan nous apprit que c'était de la baouco. On aurait dit du foin séché, mais c'était là son teint naturel. Au printemps, pour participer à l'allégresse générale, elle fait un effort et verdit faiblement. Mais malgré cette pauvre mine, elle est vivace et vigoureuse, comme toutes les plantes qui ne servent à rien. C'est là que je vis pour la première fois des touffes d'un vert sombre qui émergeaient de cette baouco et qui figuraient des oliviers en miniature. Je quittai le chemin, je courus toucher leurs petites feuilles. Un parfum puissant s'éleva comme un nuage et m'enveloppa tout entier. C'était une odeur inconnue, une odeur sombre et soutenue qui s'épanouit dans ma tête et pénétra jusqu'à mon cœur. C'était le thym qui pousse au gravier des garrigues. Ces quelques plantes étaient descendues à ma rencontre pour annoncer au petit écolier le parfum futur de Virgile. Le chemin montait toujours, franchissant de temps à autre un petit plateau. Il y eut une dernière côte, aussi rude que la première. Alors mon père nous montra une petite maison sur le coteau d'en face, à demi cachée par un grand figuier. « Voilà, » dit-il, « voilà la Bastide neuve. Voilà l'asile des vacances. Le jardin qui est à gauche est aussi à nous. » Ce jardin, entouré d'un grillage rouillé, avait au moins 100 mètres de large. Je ne pus y distinguer rien d'autre qu'une petite forêt d'oliviers et d'amandiers qui mariaient leurs branches folles au-dessus de broussailles enchevêtrées. Mais cette forêt vierge en miniature, je l'avais vue dans tous mes rêves. Et, suivi de Paul, je m'élançai en criant de bonheur. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. La maison s'appelait la Bastide Neuve, mais elle était neuve depuis bien longtemps. Il y avait au rez-de-chaussée une immense salle à manger qui avait bien 5 mètres sur 4 et que décorait grandement une petite cheminée en marbre véritable. Un escalier, qui faisait un coude, menait aux 4 chambres du premier étage. L'éclairage était assuré par des lampes à pétrole et quelques bougies de secours. Mais comme nous prenions tous nos repas sur la terrasse, sous le figuier, il y avait surtout la lampe tempête. Elle attirait tous les insectes de la nuit. Dès qu'on la suspendait à sa branche, elle était entourée d'un vol de papillons charnus dont les ombres dansaient sur la nappe. Brûlés d'un impossible amour, ils tombaient tout cuits dans nos assiettes. Le jardin n'était rien d'autre qu'un très vieux verger abandonné, et clôturé par un grillage de poulailler dont la rouille du temps avait rongé la meilleure part. Devant le jardin, des champs de blé ou de seigle assez pauvrement cultivés et bordés d'oliviers millénaires. Derrière la maison, l'épinette formait des îlots sombres dans l'immense garrigue qui s'étendait par mont, par vaux et par plateau jusqu'à la chaîne de Sainte-Victoire. La Bastide Neuve était la dernière bâtisse, au seuil du désert, et l'on pouvait marcher pendant 30 kilomètres sans rencontrer que les ruines basses de 3 ou 4 fermes du Moyen-Âge et quelques bergeries abandonnées. Nous allions dormir de bonne heure, épuisés par les jeux de la journée, et il fallait emporter le petit Paul, mou comme une poupée de chiffon. Je le rattrapais de justesse au moment où il tombait de sa chaise, en serrant dans sa main crispée une pomme à demi rongée ou la moitié d'une banane. En me couchant à demi conscient, je décidais chaque soir de me réveiller à l'aurore, afin de ne pas perdre une minute du miraculeux lendemain. Mais je n'ouvrais les yeux que vers 7 heures, aussi furieux et grommelant que si j'avais manqué le train. Le matin, nous avalions très vite les tartines avec le café au lait, et alors commençait la grande aventure.
Il était défendu de sortir du jardin, mais on ne nous surveillait pas. C'est ainsi que, livrés le plus souvent à nous-mêmes, il nous arrivait de monter jusqu'aux premières pinèdes. Mais ces explorations, le couteau à la main et l'oreille aux aguets, se terminaient souvent par une fuite éperdue vers la maison à cause de la rencontre inopinée d'un serpent boa, d'un lion ou d'un ours des cavernes. Après le déjeuner, lorsque le soleil africain tombe en pluie de feu sur l'herbe mourante, on nous forçait à nous reposer une heure, à l'ombre du figuier, sur ces fauteuils pliants nommés transatlantiques, qu'il est difficile d'ouvrir correctement, qui pincent cruellement les doigts et qui s'effondrent parfois sous le dormeur stupéfait. Ce repos nous était une torture, et mon père, grand pédagogue, c'est-à-dire d'horreur de pilules, nous le fit accepter en nous apportant quelques volumes de Fenimore Cooper et de Gustave Aimard. Le petit Paul, les yeux tout grands, la bouche entr'ouverte, m'écouta lire à haute voix le dernier des Mohicans. Ce fut pour nous la révélation, confirmée par le chercheur de pistes. Nous étions des Indiens, des fils de la forêt, chasseurs de bisons, tueurs de grizzlies, étrangleurs de serpents boas et scalpeurs de visages pâles. J'avais un arc véritable, venu tout droit du Nouveau Monde en passant par la boutique du brocanteur. Je fabriquais des flèches avec des roseaux et, cachés dans les broussailles, je les tirais férocement contre la porte des cabinets constituée par une sorte de guérite au bout de l'allée. Puis je volais le couteau pointu dans le tiroir de la cuisine, je le tenais par la lame entre le pouce et l'index, à la façon des Indiens Comanches, et je le lançais de toutes mes forces contre le tronc d'un pin, tandis que Paul émettait un sifflement aigu qui en faisait une arme redoutable. Cependant, nous comprîmes bientôt que la guerre étant le seul jeu vraiment intéressant, nous ne pouvions pas appartenir à la même tribu. Je restai donc Comanche, mais Paul devint Pawnee, ce qui me permit de le scalper plusieurs fois par jour. En échange, vers le soir, il me tuait avec un tomahawk de carton et fuyait ensuite à toutes jambes, car j'excellais dans les agonies. Parfois, les deux tribus ennemies enterraient la hache de guerre et s'unissaient pour la lutte contre les visages pâles, les farouches Yankees venus du nord. Nous suivions des pistes imaginaires, marchant courbés dans les hautes herbes, attentifs aux brisés, aux empreintes invisibles, et j'examinais d'un air farouche un fil de laine accroché à l'aigrette d'or d'un fenouil. Quand la piste se dédoublait, nous nous séparions en silence. De temps à autre, pour maintenir la liaison, je lançais le cri de l'oiseau moqueur, si parfaitement imité que sa femelle s'y fut trompée. Et Paul me répondait par l'aboiement rauque du coyote, parfaitement imité lui aussi, mais imité, faute de coyote, de celui du chien de la boulangère, un roquet galeux qui attaquait parfois nos fonds de culotte. Lorsque nous revenions à la maison, le jeu continuait. Le couvert était mis sous le figuier. Dans une chaise longue, mon père lisait la moitié d'un journal, car l'oncle Jules lisait l'autre. Nous nous présentions, graves et dignes, comme il convient à des chefs, et je disais « Hugues ». Mon père répondait « Hugues ». « Les grands chefs blancs veulent-ils recevoir leurs frères rouges sous leur wigwam de pierre ?»« Nos frères rouges sont les bienvenus, » disait mon père. « Leur route a dû être longue, car leurs pieds sont poudreux. »« Nous venons de la rivière perdue et nous avons marché trois lunes. » Tous les enfants du grand Manitou sont des frères. Que les chefs partagent notre pemmican. Nous leur demanderons seulement de respecter les coutumes sacrées des Blancs. Qu'ils aillent d'abord se laver les mains. Le soir, à table, sous la lampe tempête nimbée de moucherons, balançant doucement mes jambes alourdies en face de ma mère toute belle, j'écoutais la conversation de ces vieux mâles. Ils discutaient assez souvent de politique. Ce qu'ils disaient ne m'intéressait pas. Ce que j'écoutais, ce que je guettais, c'était les mots. Car j'avais la passion des mots. En secret, sur un petit carnet, j'en faisais une collection comme d'autres font pour les timbres. J'adorais grenade, fumée, bourru, vermoulu et surtout manivelle. Et je me les répétais souvent quand j'étais seul pour le plaisir de les entendre. Or, dans les discours de l'oncle, il y en avait de tout nouveau et qui étaient délicieux. Damasquiné, florilège, filigrane, ou grandiose, archiépiscopale, plénipotentiaire. Lorsque sur le fleuve de son discours, je voyais passer l'un de ces vaisseaux à trois ponts,
je levais la main et je demandais des explications qu'il ne me refusait jamais. C'est là que j'ai compris pour la première fois que les mots qui ont un son noble contiennent toujours de belles images. Mon père et mon oncle encourageaient cette manie qui leur paraissait de bon augure, si bien qu'un jour, et sans que ce mot se trouvât dans une conversation, il en eût été le premier surpris, ils me donnèrent anticonstitutionnellement en me révélant que c'était le mot le plus long de la langue française. Il fallut me l'écrire sur la note de l'épicier que j'avais gardée dans ma poche. Je le recopiais à grand-peine sur une page de mon carnet et je le lisais chaque soir dans mon lit. Ce n'est qu'au bout de plusieurs jours que je pus maîtriser ce monstre et je me promis de l'exploiter si par hasard, un jour vers la fin des temps, j'étais forcé de retourner à l'école. Quatrième épisode. Vers le 15 août, il nous fut révélé que de grands événements se préparaient. Un après-midi, tandis que je plantais le poteau de torture sur un petit tertre gazonné, mon frère Paul vint en courant m'annoncer une étrange nouvelle. « L'oncle Jules est en train de faire la cuisine !» Je fus si étonné que j'abandonnai aussitôt mon entreprise pour aller éclaircir le mystère de l'oncle Jules cuisinier. Il était devant le fourneau et surveillait une grésillante poêle à frire. Elle contenait d'épaisses pastilles blondes qui mijotaient en sifflotant dans de la graisse bouillante. Une odeur écœurante emplissait la cuisine et je décidai aussitôt que je n'en mangerais pas. « Oncle Jules, qu'est-ce que c'est ?»« Tu le sauras ce soir, » dit-il. Et saisissant la queue de la poêle, il donna un petit coup sec comme pour faire sauter des marrons. « On les mangera ce soir ?» demanda Paul. « Non, » dit l'oncle en riant, « on ne les mangera pas, ni ce soir ni jamais. » « Alors pourquoi les fais-tu cuire ?»« Pour faire parler les petits garçons. Maintenant, allez jouer dehors. Parce que si vous recevez des éclaboussures de graisse bouillante, vous aurez toute votre vie une figure de passoire. Allez, filez !» Le soir, en traversant la salle à manger pour aller me laver les mains à la cuisine, j'eus une admirable surprise. Papa et l'oncle Jules avaient mis toutes les rallonges de la table, recouvertes d'une toile de sac, et sur cette immensité étaient alignées toutes sortes de merveilles. Il y avait d'abord des rangées de cartouches vides, et chaque rang avait sa couleur, rouge, jaune, bleu, verte. Puis, de petits sacs de toile écrus, pas plus grands que la main et lourds comme des pierres. Chacun portait un grand numéro noir, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Il y avait ensuite une sorte de petite balance à un seul plateau et, fixé au bord de la table par une pince à vis, un étrange appareil de cuivre muni d'une manivelle à bouton de bois. Enfin, au beau milieu, trônait le plat cuisiné par l'oncle Jules. « Voilà, dit-il, ce que je faisais cuire ce matin. Ce sont des bourres grasses. »« C'est pour quoi faire ?» demanda Paul. « C'est pour faire des cartouches, » dit mon père. « Tu vas aller à la chasse ?» demandai-je. « Mais oui. »« Avec l'oncle Jules ?»« Mais oui. »« Tu as un fusil ?»« Mais oui. »« Et où est-il ?»« Tu le verras tout à l'heure. Pour le moment, va te laver les mains parce que la soupe est servie. » Pendant le dîner, sous le figuier, la conversation fut passionnante. Mon père, enfant des villes et prisonnier des écoles, n'avait jamais tué ni poil ni plume. Mais l'oncle Jules avait chassé depuis son enfance et il n'en faisait pas mystère. Dès le potage, ils se mirent à parler de gibier. « Que croyez-vous que nous allons trouver dans ces collines ?» demanda mon père. « Je me suis renseigné au village, » dit l'oncle. « On vous a sûrement donné de faux renseignements, » répliqua mon père, « car ces paysans sont jaloux du gibier. » Mon oncle fit un sourire malin. « Bien sûr, » dit-il, « mais je n'ai pas avoué que nous allions chasser. J'ai simplement demandé quelle sorte de gibier ils pourraient nous vendre. » « Ça, c'est de la malice, » dit mon père. « Et que vous ont-ils proposé ?»« D'abord, des petits oiseaux. »« Des tout petits ?» demanda ma mère choquée. « Eh oui, » dit l'oncle, « ces sauvages tuent tout ce qui vole. » « Pas les papillons, » dit Paul. « Non, les papillons, c'est réservé aux garçons. » « Ensuite, je crois que nous pouvons compter sur des lapins. »« Oh oui, dis-je. Il y en a même près de la maison. Ils ont fait leur cabinet près du gros amandier. C'est plein de pets. »« Pas de gros mots, » dit ma mère sévèrement. « Ensuite, »
poursuivit l'oncle. Nous rencontrerons sûrement des perdrix, et qui plus est, des perdrix rouges. Toutes rouges ? Dit Paul. Non, elles sont marron, la gorge noire, avec des pattes rouges et de belles plumes rouges aux ailes et à la queue. Ça fera bien pour les chapeaux d'Indiens. Ensuite, dit l'oncle, on m'a parlé de lièvres. Pourtant, dit mon père, François m'a affirmé qu'il n'y en avait pas. Offrez-lui donc 6 francs par lièvre et vous verrez qu'il vous en apportera. Il les vend 5 francs à l'auberge de Pichoris. J'espère que nos fusils nous épargneront le chagrin de les payer. Ça, dit mon père, ce serait beau. Je conviens que c'est un joli coup de fusil, mon cher Joseph. Mais il y a mieux. Dans les ravins du Taoumé, il y a le roi des gibiers. Et quoi donc ? Devinez, dit l'oncle. Des éléphants, s'écria Paul. Non, dit l'oncle. Mais devant la déception du petit frère, il ajouta, je ne crois pas qu'il y ait des éléphants, mais après tout, je n'en suis pas sûr. Allons, Joseph, faites un petit effort. Le gibier le plus rare, le plus beau, le plus méfiant. Le gibier qui est le rêve du chasseur. J'intervins. De quelle couleur c'est ? Brun, rouge et or. Des faisans ! S'écria mon père. Mais l'oncle, disant non de la tête, ajouta « Le faisan est assez beau, je vous l'accorde, mais il est bête, et au départ il est aussi facile à tirer qu'un cerf-volant. Non, le faisan n'est pas le roi des gibiers. » « Alors, dit mon père, quel est donc le roi des gibiers ?» L'oncle se leva, les bras en croix, et dit « La Bartabelle. » « Qu'est-ce que c'est ? » demanda mon père. L'oncle ne fut nullement décontenancé. « Vous voyez ? » s'écria-t-il d'un ton satisfait. « Ce gibier est si rare que Joseph lui-même n'en a jamais entendu parler. Eh bien, la Bartavelle, c'est la perdrix royale. Elle vit sur les hauteurs dans les vallons rocheux, mais elle est aussi méfiante qu'un renard et il est très difficile de l'approcher. « Vous en avez tué souvent ?» demanda ma mère. « Non, dit l'oncle d'un air modeste. J'en ai vu plusieurs fois dans les Basses-Pyrénées. Je n'ai pas eu l'occasion de les tirer. » Mais qui vous a dit qu'il y avait des Bartavelles dans le pays ? C'est un vieux braconnier qui en a tué une l'année dernière. Il l'a portée en ville, on la lui a payée 10 francs. Mon Dieu ! Dit ma mère en joignant les mains. Si vous pouviez en rapporter une par jour, moi, ça m'arrangerait bien. Ce n'est pas seulement le rêve du chasseur, dit mon père, c'est aussi la chimère de la ménagère. Ne parlez plus de Bartavelles, mon cher Jules. Je vais en rêver cette nuit, et ma chère femme en perd la raison. Ce qui m'ennuie, dit la tante Rose, c'est que, d'après la bonne, il y a aussi des sangliers. Des sangliers ? Dit ma mère inquiète. Mais c'est effrayant. Pas du tout, dit Joseph rassurant. Le sanglier n'attaque pas l'homme. Il le fuit, au contraire, de très loin, et il faut de grandes précautions pour l'approcher. Et vous croyez qu'il peut tuer un homme ? Le sanglier est un animal dangereux, dit mon père. Si par miracle vous en voyez un, grimpez immédiatement à l'arbre le plus proche. Joseph, dit ma mère, tu vas me promettre que toi aussi tu monteras sur l'arbre et sans tirer un seul coup de fusil. Il ferait beau voir, s'écria l'oncle, car nous avons des chevrotines. Il alla chercher dans un tiroir une poignée de cartouches qu'il posa sur la table. Elles sont plus longues que les autres parce que j'ai mis double charge de poudre, dit-il. Avec ça, l'animal reste sur le carreau. À condition, ajouta-t-il en se tournant vers mon père, de tirer au défaut de l'épaule gauche. Faites bien attention, Joseph. J'ai dit gauche. Mais, dit Paul, s'il part en courant, tu vois plus que ses fesses. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Rien de plus simple, et ça m'étonne que tu ne l'aies pas deviné. On lui tire dans la fesse gauche ? Pas du tout, dit l'oncle. Il suffit de savoir que le sanglier aime beaucoup les truffes. Et alors ? Demanda ma mère très intéressée. Voyons, Augustine, dit l'oncle, vous vous penchez vers votre côté gauche et vous criez le plus fort possible vers la gauche. Ah, la belle truffe ! Alors le sanglier séduit se retourne en pivotant sur sa gauche et vous présente son épaule gauche. Ma mère éclata de rire avec moi. Mon père sourit et Paul déclara « Tu dis ça pour rire ?» Mais il ne riait pas lui-même car il n'était sûr de rien. Ce dîner cynégétique avait duré beaucoup plus longtemps que d'ordinaire, et il était 9 heures lorsque nous quittâmes la table pour aller commencer la fabrication des cartouches. Je fus admis à y assister car je fis remarquer qu'il s'agissait d'une leçon de choses. « Et tout d'abord,
dit mon oncle. « Examinons les armes. » Il alla prendre dans le buffet, derrière les assiettes, un bel étui de cuir fauve. Je fus tout honteux de ne pas l'avoir découvert plus tôt, et il en tira un très joli fusil qui paraissait tout neuf. « C'est le cadeau de noces de mon frère aîné, » dit l'oncle. « Un calibre 16 de Vernet Caron, à percussion centrale. »« Où est le vôtre ?»« Dans ma chambre, » dit mon père. Il sortit à grands pas et nous apporta un grand étui jaune qu'il avait dû acheter à mon insu chez le brocanteur, car de longues éraflures disaient son âge et avouaient par leur fond blanchâtre que cet objet était l'ouvrage d'un fabricant de papier mâché. Il ouvrit cette dérisoire cartonnade et il dit avec un sourire un peu gêné « Celui-ci va faire une pauvre figure auprès d'une arme aussi moderne, mais c'est mon père qui me l'a donné. » Ayant ainsi transformé cet antique pétoir en un respectable souvenir de famille, il tira de l'étui les trois morceaux d'un immense fusil. L'oncle les prit, les ajusta et les verrouilla avec une rapidité magique. Puis, considérant les dimensions de l'arme, il s'écria « Seigneur Dieu, c'est une arquebuse !»« Presque, » dit mon père, « mais il paraît qu'il est très précis. »« Ce n'est pas impossible, » dit l'oncle. Il ouvrit la culasse et l'examina d'un air pensif. « Si ce n'est pas un calibre inconnu de l'ancien temps, ça doit être un 12. »« Oui, c'est un 12, » affirma mon père. « J'ai acheté des douilles du calibre 12. »« À broche, bien entendu. »« Oui, à broche. » Il prit dans une boîte de carton deux ou trois cartouches vides qu'il tendit à l'oncle. De leur base de cuivre sortait un petit clou sans tête. L'oncle en glissa une dans le canon. « Il est légèrement dilaté, » dit-il, « mais c'est effectivement un 12 à broche. » Ce système a été abandonné depuis assez longtemps, parce qu'il présente un certain danger. « Quel danger ?» demanda ma mère. « Minime, » dit l'oncle, « mais danger tout de même. Voyez-vous, Augustine, c'est en frappant sur ce petit clou de cuivre que le chien met le feu à la poudre. Mais ce petit clou est extérieur, rien ne le protège, il peut recevoir un choc imprévu. « Par exemple ?»« Par exemple ?» Si une cartouche échappe au doigt du chasseur, et si elle tombe sur la broche, elle peut éclater à vos pieds. « Ça, ce ne serait pas mortel, » dit Joseph d'un ton rassurant. « Et puis, il ne m'arrivera jamais de laisser tomber une cartouche. »« Pourtant, » dit ma mère à mi-voix, « tu as laissé tomber trois fois la savonnette ce matin. »« D'abord, » dit mon père vexé, « une savonnette est un objet extrêmement glissant, parce que c'est un corps gras, ce qui n'est pas le cas d'une cartouche. Ensuite, on ne prend guère de précautions quand on saisit une savonnette. On sait bien qu'elle n'explosera pas. » Enfin, il faut ajouter que j'avais les yeux fermés, puisque je me savonnais la tête, et aucun homme de bon sens ne ferme les yeux pour manipuler des cartouches. Donc, rassure-toi sur ce point. « Joseph a raison, » dit l'oncle, « et je suis à peu près sûr qu'il ne laissera pas tomber ses munitions. » Il se leva brusquement et épaula le calibre 12. Ma mère me cria « Reste où tu es, ne bouge pas !» L'oncle répéta 5 ou 6 fois sa manœuvre, visant tour à tour la pendule, la suspension, le tourne-broche. Enfin, il rendit sa sentence. « Ce fusil est très ancien et il pèse 3 livres de trop. Mais il est bien en main et il monte bien à l'épaule. À mon avis, c'est une arme excellente. » Mon père fit un beau sourire et il regardait l'assistance avec une certaine fierté. Lorsque l'oncle ajouta « Si toutefois, il n'éclate pas. »« Quoi ?» dit ma mère épouvantée. « Ne craignez rien, Augustine, nous ferons tous les essais nécessaires et nous tirerons les premières cartouches à la ficelle. » S'il éclate, Joseph n'aura plus de fusil, mais il conservera sa main droite et ses yeux. À présent, préparons nos munitions. » Ma mère s'était assise sur une chaise, à 2 mètres de la table. Je restais debout devant elle, entre ses genoux. Je pensais qu'ainsi mon corps la protégeait en cas d'explosion. Alors mon oncle prit une des fioles de fer blanc et gratta avec précaution la bande gommée qui en assurait l'étanchéité. Je vis paraître, sortant du bouchon, un minuscule cordonnet noir. Il le saisit délicatement entre le pouce et l'index. Il tira, le bouchon suivit. Alors, il inclina le goulot vers la feuille de papier blanc et une pincée de poudre noire en sortit. Je m'approchai, hypnotisé. C'était donc ça, la poudre, la terrible substance qui avait tué tant de bêtes et tant d'hommes, qui avait fait sauter tant de maisons et qui avait lancé Napoléon jusqu'en Russie. On aurait dit du charbon pilé, rien de plus. Alors commença le remplissage des douilles, opération à laquelle mon père collabora. Il enfonçait sur la poudre les bourres grasses cuisinées par l'oncle Jules.
Puis ce fut le tour des plombs, puis d'une autre bourre, et cette dernière fut surmontée d'une rondelle de carton sur laquelle un gros chiffre noir indiquait la grosseur du plomb. La soirée, qui se termina par l'alignement d'un bataillon de cartouches multicolores rangés comme des soldats de plomb, m'avait très vivement intéressé. Pourtant, je sentais une sorte de gêne, une insatisfaction dont je n'arrivais pas à préciser la cause. C'est en tirant mes chaussettes que je la découvris. L'oncle Jules avait parlé toute la soirée en savant et en professeur, tandis que mon père, lui qui était examinateur au certificat d'études, l'avait écouté d'un air attentif, d'un air ignare, comme un élève. J'en étais honteux et humilié. Le lendemain matin, pendant que ma mère versait du café dans mon lait, je lui fis part de mes sentiments. « Ça te plaît, toi, que papa aille à la chasse ?»« Pas trop, me dit-elle. C'est un amusement dangereux. »« Tu as peur qu'il tombe dans l'escalier avec ses cartouches ?»« Oh non, dit-elle. Il n'est pas si maladroit. »« Mais tout de même, cette poudre, c'est traître. » »« Eh bien, moi, ce n'est pas pour ça que ça ne me plaît pas. »« Alors, c'est pourquoi ?» J'hésitais un instant, que je mis à profit pour avaler une bonne gorgée de café au lait. « Tu n'as pas vu comme l'oncle Jules est fier ? C'est toujours lui qui commande et qui parle tout le temps. »« C'est justement pour lui apprendre. Il le fait par amitié. »« Moi, je vois bien qu'il est rudement content d'être plus fort que papa. Et ça ne me plaît pas du tout. Papa le gagne toujours, aux boules ou aux dames. Et là, je suis sûr qu'il va perdre. Je trouve que c'est bête de jouer à des jeux qu'on ne sait pas. Moi, je ne joue jamais au ballon parce que j'ai les mollets trop petits et les autres se moqueraient de moi. Mais je joue toujours aux billes ou au bar ou à la marelle parce que je gagne presque toujours. »« Mais gros bêta, la chasse, ce n'est pas un concours. C'est une promenade avec un fusil, et puisque ça l'amuse, ça lui fera beaucoup de bien, même s'il ne tue pas de gibier. »« S'il ne tue rien, eh bien moi, ça me dégoûtera. Oui, ça me dégoûtera. Et moi, je ne l'aimerai plus. » J'avais une envie de pleurer que j'étouffais d'une tartine. Ma mère le vit bien et elle vint m'embrasser. « Tu as un peu raison, » me dit-elle. « C'est bien vrai qu'au commencement, papa sera moins fort que l'oncle Jules. » Mais au bout d'une semaine, il sera aussi adroit que lui et dans 15 jours. Tu verras que c'est lui qui donnera des conseils. » Elle ne mentait pas pour me rassurer. Elle avait confiance. Elle était sûre de son Joseph. Mais moi, j'étais dévoré d'inquiétude. Comme le seraient les enfants de notre vénéré président de la République s'il leur confiait son intention de s'engager dans le Tour de France cycliste. Le lendemain, à midi, les armes furent remontées, huilé, astiqué, et l'oncle Jules déclara « On les essaiera cet après-midi. » Depuis le début des préparatifs, je n'avais jamais douté que je serais admis à suivre les chasseurs. Mais ni mon père ni mon oncle ne l'avaient dit expressément, et je n'avais jamais osé poser la question par crainte d'un refus catégorique. C'est pourquoi je pris un billet. « Et le chien ? » dis-je. « Est-ce qu'il ne vous faudra pas un chien ? » ?»« Il serait bon d'en avoir un, » dit l'oncle. « Mais comment nous procurer un chien dressé ? » ?»« Est-ce qu'il n'y en a pas chez les marchands ?»« Oui, dit mon père, mais ça vaut au moins 50 francs. »« C'est de la folie !» s'écria ma mère. « Oh que non !» dit l'oncle. « Et si un bon chien ne valait que 50 francs, croyez bien que je n'hésiterai pas. Mais à ce prix-là, vous n'aurez qu'un bâtard quelconque qui vous lâchera la piste d'un lièvre pour vous conduire au trou d'un rat. » Je n'insistais pas, il n'y aurait pas de chien. C'est donc qu'il comptait sur moi pour retrouver le gibier abattu. On ne l'avait pas dit, mais c'était évidemment sous-entendu. Il n'était pas nécessaire d'obtenir une promesse solennelle, surtout devant Paul, qui avait exprimé son intention de suivre la chasse de loin avec du coton dans les oreilles, prétention insoutenable qui eût pu faire grand tort aux miennes. Je me tus donc prudemment. Après le déjeuner, les grandes personnes firent la sieste. Vers les 3 heures, mon père nous héla. « Venez ici, » cria-t-il. « Et restez derrière nous. Nous allons essayer les fusils. » L'oncle Jules avait solidement attaché l'arquebuse à 2 grosses branches parallèles et déroulait une longue ficelle dont une extrémité commandait la gâchette. À 10 pas du fusil, il s'arrêta. Ma mère et ma tante, accourues, nous forcèrent à reculer encore plus loin. « Attention, » dit l'oncle, « j'ai mis triple charge et je vais tirer les 2 coups à la fois. » Si le fusil explose, les éclats pourraient siffler à nos oreilles. Toute la famille se mit à l'abri derrière les troncs d'olivier et chacun risquait un œil. Seuls, les hommes restèrent à découvert, héroïques. L'oncle tira la ficelle.
une détonation puissante ébranla les airs, et mon père courut vers l'arme ligotée. « Il a tenu le coup » cria-t-il. Et il coupait joyeusement les liens. L'oncle ouvrit la culasse et l'examina de fort près. « C'est parfait !» déclara-t-il enfin. « Ni fêlure, ni dilatation. Augustine, je réponds maintenant de la sécurité de Joseph. Ce fusil est aussi résistant qu'une pièce d'artillerie. Nous allons maintenant vérifier le groupement des plombs. » Il tira un journal de sa poche, le déplia et partit à grands pas vers les cabinets au bout de l'allée d'Iris. « Il a la colique ? » dit Paul. Mais l'oncle Jules n'entra pas dans la guérite. Il fixa sur la porte, au moyen de quatre punaises, le journal déployé et revint à grands pas vers mon père. Il chargea son fusil d'une seule cartouche. « Attention !» dit-il. Il épaula, visa une seconde et tira. Paul, qui s'était bouché les oreilles, s'enfuit vers la maison. Les deux chasseurs s'approchèrent du journal. Il était criblé de trous comme une passoire. L'oncle Jules l'examina longuement et parut satisfait. « Ils sont bien groupés. À 30 mètres, c'est parfait. » Il prit dans sa poche un autre journal et tout en le dépliant, il dit « À vous, Joseph !» Tandis qu'il mettait la nouvelle cible en place, mon père chargea son fusil. Ma mère et ma tante, attirées par la première détonation, étaient revenues sur la terrasse. Paul, à demi caché derrière le tronc du figuier, regardait d'un œil l'index enfoncé dans l'oreille. L'oncle se replia au trot et dit « Allez-y !» Mon père visa. Je tremblais qu'il ne manque à la porte. C'eût été l'humiliation définitive et l'obligation, à mon avis, de renoncer à la chasse. Il tira. La détonation fut effrayante et son épaule tressaillit violemment. Il ne parut ni ému ni surpris et s'avança vers la cible d'un pas tranquille. Je le devançai. Le coup avait frappé le milieu de la porte, car les plombs entouraient le journal sur les quatre côtés. Je ressentis une fierté triomphale et j'attendais que l'oncle Jules exprimât son admiration. Il s'avança, examina la cible, se retourna et dit simplement « Ce n'est pas un fusil, c'est un arrosoir. » « Il l'a frappé en plein milieu, » dis-je avec force. « Ce n'est pas mal tiré, » dit-il avec condescendance. « Mais une perdrix qui s'envole n'a pas grand-chose de commun avec une porte de cabinet. On va maintenant essayer les plombs de 4, de 5 et de 7. » Ils tirèrent encore 3 coups de fusil chacun, toujours suivis d'examens et de commentaires de l'oncle. Enfin, il s'écria « Pour les deux dernières, on va tirer les chevrotines. » « Serrez bien votre crosse, Joseph, car j'ai mis une charge et demie de poudre. Et vous, mesdames, bouchez-vous les oreilles, car vous allez entendre le tonnerre !» Ils tirèrent en même temps. Le fracas fut étourdissant et la porte tressaillit violemment. Ils s'avancèrent tous les deux, souriant et satisfaits d'eux-mêmes. « Tonton, demandai-je, est-ce que ça aurait tué un sanglier ?»« Certainement, s'écria-t-il, à condition de le toucher, au défaut de l'épaule gauche. »« Exactement !» Il arracha les journaux superposés et je vis incruster profondément dans le bois une 20aine de petites billes de plomb. « C'est du bois dur, » dit-il. « Elles n'ont pas traversé. Si nous avions eu des balles... » Heureusement, il n'en avait pas eu, car à travers la porte massacrée, nous entendîmes une faible voix. Elle disait, incertaine, « Est-ce que je peux sortir, maintenant ?» C'était la bonne. La date de l'ouverture approchait et l'on ne parlait plus que chasse à la maison. Après la longue suite des récits épiques, l'oncle Jules en était arrivé aux explications et démonstrations techniques. À 4 heures, après la sieste, il disait « Joseph, je vais vous décomposer le coup du roi, qui est aussi le roi des coups. D'abord, écoutez-moi bien. Vous êtes caché derrière une haie et votre chien décrit un cercle autour de la vigne. S'il connaît son métier, les perdreaux vont venir droit sur vous. Alors, vous faites un pas en arrière, mais vous n'épaulez pas encore, parce que le gibier verrait votre fusil, et il aurait le temps de prendre la tangente. Dès que les volatiles paraissent dans mon champ visuel, j'épaule, je vise. Mais au moment de tirer, d'un coup sec, vous relevez le bout du canon d'une 10aine de centimètres, tout en pressant sur la gâchette, et vous baissez la tête en faisant le dos rond. Pourquoi ? Dit mon père. « Parce que si votre tir est bien ajusté,
Vous allez recevoir en pleine figure un volatile d'un kilo lancé à 60 à l'heure. Passons maintenant à la pratique. Marcel, va me chercher mon fusil. Je courais à la salle à manger et je revenais à pas lents, portant avec respect cette arme précieuse. L'oncle ouvrait toujours la culasse pour voir si le fusil n'était pas chargé. Puis, il allait se poster derrière la haie du jardin. Mon père, Paul et moi, nous formions un demi-cercle autour de lui. L'oncle, les sourcils froncés, l'oreille tendue, le dos voûté, essayait de voir à travers les feuilles, non pas ce pauvre chemin pierreux, mais les vignes dorées du Roussillon. Soudain, il lançait deux aboiements aigus et brefs. Puis, soufflant puissamment entre ses lèvres molles, il imitait l'envol ronflant d'une compagnie de perdreaux. Alors, il faisait le pas en arrière et regardait intensément le ciel au ras de la haie. Puis il épaulait vivement, donnait le petit coup sec et criait « Pan, pan !» sur quoi nous rentrions tous les quatre la tête dans nos épaules contractées et nous demeurions immobiles, les yeux fermés, prêts à supporter le choc d'un volatile d'un kilo lancé à 60 à l'heure. L'oncle nous délivrait en disant « Pom, pom !» car deux perdrix étaient tombés derrière nous. Il les cherchait un instant du regard, puis allait les ramasser l'une après l'autre, car dans ses démonstrations, il ne faisait que des doublés. Enfin, sifflant son chien, il retournait s'asseoir à l'ombre, du pas pesant du chasseur fatigué. Mon père, pensif, disait « Ce ne doit pas être bien facile. »« Oh, il faut de l'entraînement. J'avoue que je n'ai jamais entendu dire qu'un débutant l'ait réussi du premier coup. » Mais si vous avez des dispositions, ce que j'ignore encore, il est bien possible que l'année prochaine... Essayez-le donc tout de suite. » Et mon père, docile, prenait à son tour le fusil et répétait fidèlement la pantomime de l'oncle Jules. Parfois, le matin, il m'emmenait avec lui sur le chemin du vallon de Rapon, qui était bordé d'une haie d'arbustes. Et là, nous répétions en cachette le coup du roi. Je jouais le rôle de la perdrix. Puis, au moment de m'envoler, je lançais de toutes mes forces une pierre par-dessus la haie, et mon père essayait de la suivre, du bout de son fusil brusquement épaulé. Ainsi, mon père préparait l'ouverture avec une application si minutieuse et si humble que, pour la première fois de ma vie, je doutais de sa toute-puissance et mes inquiétudes ne faisaient que grandir. Cinquième épisode. Enfin, l'aube se leva sur la veille du grand jour de l'ouverture de la chasse. Les fusils furent astiqués et graissés, et j'eus l'honneur d'enfoncer les cartouches dans les ceintures à godets de cuir. Puis mon père et l'oncle Jules étudièrent la carte d'état-major, une loupe à la main. « Nous monterons derrière la maison, » dit l'oncle, « jusqu'à Redounéou, que voici. » Il plantait dans la carte une épingle à tête noire. « Jusque-là, nous ne verrons pas grand-chose, peut-être des grives ou des merles. Ce serait déjà très intéressant, » dit mon père. « Bagatelle, » dit l'oncle. « Notre gibier, ne nous faisons pas d'illusions. Ce n'est évidemment pas la bartavelle, mais c'est au moins la perdrix, le lapin et le lièvre. Donc, à Redounéou, nous descendons sur les escauprès. Nous les remonterons jusqu'au pied du Taoumé, que nous contournerons à droite pour atteindre le puits du Mûrier. C'est là que nous déjeunerons, vers midi et demi. Ensuite, mais je n'entendis pas la suite, car je réfléchissais à mon plan. Il était maintenant indispensable de poser la question nettement et d'obtenir la confirmation de mes certitudes, certitudes d'ailleurs un peu ébranlées par l'attitude passive de l'entourage. Je dis bravement, « Moi, je porterai le déjeuner. »« Quel déjeuner ?» dit l'oncle. « Le nôtre, je prendrai deux musettes et je porterai le déjeuner. »« Mais où donc ?» dit mon père. Cette question me coupa le souffle, car je vis qu'il faisait semblant de ne pas comprendre. Je fonçais désespérément et je parlais à toute vitesse, en prenant à peine le temps de respirer. « À la chasse. Moi, je n'ai pas de fusil. C'est tout naturel que je porte le déjeuner. Vous, ça pourrait vous gêner. Et puis, si vous le mettez dans le carnier, il n'y aura plus de place pour mettre le gibier. » Et puis, moi, quand je marche, je ne fais pas de bruit. J'ai bien étudié les peaux rouges. Je sais marcher comme un comanche. Et puis, si vous ne me voulez pas, moi je vais tomber malade. Et déjà j'ai un peu mal au cœur. Sur quoi,
Je courus au mur et contre mon bras replié, je me mis à pleurer bruyamment. Mon père ne savait que dire et il caressait mes cheveux. Ma mère entra et, sans un mot, me prit sur ses genoux. J'étais au comble du désespoir. « Mais aussi, dit-elle sur un ton de reproche, vous lui en avez trop parlé. »« Ce serait dangereux, dit mon père, surtout le jour de l'ouverture. Il y aura d'autres chasseurs dans la colline. Il est petit et, dans les broussailles, on pourrait le prendre pour un gibier. « Mais moi, je les verrai, les chasseurs, criai-je entre deux sanglots. Et alors, si je leur parle, ils comprendront que je ne suis pas un lapin. Je veux faire l'ouverture. » Alors, l'oncle Jules se montra grand et généreux. « Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, dit-il. Mais à mon avis, Marcel a mérité de faire l'ouverture avec nous. Allons, ne pleure plus. Il portera notre déjeuner comme il l'a proposé, et il nous suivra bien gentiment, à 10 pas derrière les fusils. » Il se tourna vers mon père. « C'est d'accord, Joseph. »« Si vous êtes d'accord, moi aussi. » La reconnaissance qui me faisait verser de nouvelles larmes m'étouffa. Alors, je bondis sur mon oncle, je l'escaladai et je serrai sa grosse tête sur mon cœur battant. « Seulement, dis-je, il ne faudra pas en parler à Paul, parce qu'il est trop petit. Il ne pourrait pas marcher si loin. Hé hé, dit mon père. « Tu vas donc mentir à ton frère ? » ?»« Je ne mentirai pas, mais je ne lui dirai rien. »« Mais s'il t'en parle, dit ma mère, je lui mentirai parce que c'est pour son bien. » « Il a raison, dit mon oncle. Puis, me regardant bien dans les yeux, il ajouta « Tu viens de dire une parole importante. Tâche de ne pas l'oublier. Il est permis de mentir aux enfants lorsque c'est pour leur bien. » Il répéta « Ne l'oublie pas. » Pendant le dîner, ma joie était si grande que je n'arrivais pas à manger malgré les observations de ma mère. Mais l'oncle, ayant parlé de l'appétit des chasseurs comme d'un trait caractéristique de cette race, je dévorai ma côtelette et je redemandai des pommes de terre. « Qu'est-ce qui te prend ? » dit mon père. « Je prends des forces pour demain. »« Que comptes-tu faire demain ? » demanda l'oncle sur un ton d'affectueuse curiosité. « Eh bien, dis-je, l'ouverture ? » ?»« L'ouverture ? Mais ce n'est pas demain, » s'exclama-t-il. « Demain, c'est dimanche. » Je fus consterné. « Mais alors, quand est-ce ? » « C'est lundi, après-demain. » C'était une désolante nouvelle, car cette journée d'attente allait être un très long martyre. Que faire ? Je me résignai, de fort mauvaise grâce, mais sans mot dire. Puis l'oncle Jules ayant annoncé qu'il tombait de sommeil, tout le monde alla se coucher. Quand ma mère nous eut bordés et qu'elle fut sortie de la chambre, le petit Paul parla. « Moi, je le savais qu'il ne te mènerait pas à l'ouverture. » Je répondis hypocritement. « Je n'ai jamais demandé à y aller. L'ouverture, ce n'est pas pour les enfants. » « Tu es un grand menteur. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Et tout ce que tu as pleuré. Et même tu as promis qu'il faut me dire des mensonges. Mais moi, je m'en fous bien d'aller à la chasse. Les vrais coups de fusil, ça me fait trop peur. Mais quand même, tu es un menteur. Et l'oncle Jules est encore plus menteur que toi. » « Pourquoi ?»« Parce que c'est demain. Moi, je le sais. Maman a fait l'omelette aux tomates cet après-midi. Et puis elle l'a mise dans les carniers avec un grand saucisson et des côtelettes crues et du pain et la bouteille de vin. Moi, j'ai tout vu. Et les carniers, ils sont cachés dans le placard de la cuisine pour pas que tu les vois. Ils vont partir de bonne heure et toi, tu te brosseras. » Cette révélation était accablante. Mais je refusais d'y croire. Soudain, un souvenir terrible traversa mon esprit. Dans l'après-midi même, quand j'avais eu la sottise de dire que j'allais mentir à Paul parce que c'était pour son bien, l'oncle Jules avait saisi la balle au bon. Il m'avait hautement approuvé pour justifier par avance sa criminelle comédie. Je fus désespéré par cette trahison et je me mis à pleurer en silence. Au loin, la flûte d'argent de la chouette ajoutait à mon désespoir. Toute la maison paraissait dormir. Je me levai sans le moindre bruit. Je descendis sur mes pieds nus. Aucune marche ne craqua. Dans la cuisine, le clair de lune me permit de trouver les allumettes et une bougie. Alors, devant la porte du placard fatidique, j'hésitai un moment. Derrière cette plaque de bois mort,
j'allais découvrir la scélératesse de l'oncle Jules ou la perfidie de Paul. Ce serait, de toute façon, une catastrophe sentimentale. Je fis tourner lentement la clé. Je tirai, le ventail vint à moi. J'entrai dans le vaste placard, je haussai la bougie. Ils étaient là, les deux gros carniers de cuir fauve avec leurs poches de filet. Ils étaient gonflés à crever et, de chaque côté, pointaient le goulot bouché d'une bouteille. Sur une étagère, à côté des carniers, les deux cartouchières que j'avais garnies moi-même. Quelle fête se préparait! Une grande indignation me souleva et je pris une décision farouche. J'irai avec eux, malgré eux. Plus tard dans la nuit, Paul me tira doucement les cheveux. « Je les ai entendus, » dit-il. « Ils sont passés devant la porte. Ils ont écouté. J'ai vu la lumière par le trou de la serrure. Après, ils sont descendus sur la pointe des pieds. » La lune s'était couchée. Il faisait nuit noire. À tâtons, je trouvai mes vêtements. « Qu'est-ce que tu fais ?» dit Paul. « Je vais avec eux. Ils ne te veulent pas. Je vais les suivre de loin, à l'indienne, pendant toute la matinée. » À midi, ils ont dit qu'ils mangeraient près d'un puits. Alors, à ce moment, je me ferai voir. Et s'ils veulent me renvoyer, je dirai que je vais me perdre. Et alors, ils n'oseront pas. Peut-être tu vas recevoir une bonne gifle. Tant pis, j'en ai reçu d'autres, et des fois pour rien du tout. Dans le silence, nous entendîmes des pas sur des souliers ferrés. Puis la porte s'ouvrit et se referma. J'embrassai Paul, qui se recoucha aussitôt, et je descendis au rez-de-chaussée. Rapidement, je rallumai la bougie, je déchirai une page de mon cahier. « Ma chère petite maman, ils ont fini par m'emmener avec eux. Ne te fais pas de mauvais sang. Je te fais 2000 bises. » Je mis ce papier bien en évidence sur la table de la cuisine. Puis je glissai dans ma musette un morceau de pain, 2 barres de chocolat, 1 orange. Enfin, je m'élançai sur la piste des fusilleurs. Je montai la pente en courant aussi légèrement que je pus jusqu'à l'orée de la Pinède. Je m'arrêtai, j'écoutai. Il me sembla percevoir plus haut un bruit de pas dans les pierres. Je repris ma course en rasant les fourrés. J'arrivai à la fin de la première Pinède, au bord d'un plateau, et je vis au loin une casquette et un béret. Mon père et l'oncle Jules avaient encore le fusil à l'épaule et marchaient d'un bon pas. Près d'un grand pin, ils s'arrêtèrent. Le béret descendit sur le flanc du coteau, vers la gauche, tandis que la casquette continua tout droit. Mais elle montait et plongeait tour à tour, comme une casquette qui marche pas à pas sur la pointe des pieds. Je compris que la chasse était commencée. Mon cœur battit plus vite. Je retins mon souffle et j'attendis. Une détonation puissante éclata soudain et se répercuta longuement en sautant d'un écho à l'autre contre les appics du vallon. Je courus au pin le plus proche et j'y grimpai, épouvanté. Je m'assis à califourchon sur une grosse branche, craignant l'apparition subite d'un sanglier blessé. Mais le béret apparut sur ma gauche, au-dessus d'un cadre. Il tenait en l'air, à bout de bras, un oiseau noir de la taille d'un petit pigeon et il criait « C'est un beau merle !» La casquette, émergeant d'une forêt de genêts, vint rapidement vers lui. Ils semblèrent se concerter, puis se séparèrent de nouveau. Je me laissai glisser jusqu'au sol et je tins conseil avec moi-même. Fallait-il descendre derrière eux au fond du vallon? La hauteur des broussailles m'empêcherait de voir la chasse et d'autre part, comme l'avait dit mon père, je m'exposais à recevoir par erreur un coup de fusil. Tandis que si je continuais à suivre la crête, juste au bord de la barre, mais derrière les térébintes, je pourrais tout voir sans être vu. Je filai donc à travers les kermesses qui griffaient mes mollets, les cades et les genévriers. Je fis d'abord un assez grand détour sur le plateau, puis je me glissai sous le fourré et je parvins au bord de la pique. Ils étaient au fond d'un large vallon de roches bleues. De mon côté, mon père marchait à mi-pente. Il tenait son fusil pointé devant lui, la crosse sous le coude, la main droite sur la gâchette, la main gauche sous le pontet. Il avançait à pas prudents, le dos voûté, enjambant les broussailles. Il était beau à voir, beau et menaçant. Et je fus assez fier de lui. Sur la pente d'en face,
L'oncle suivait un chemin parallèle. Je les voyais bien mieux que si j'avais été avec eux. Bientôt, comme ils avaient dépassé mon observatoire, je me retirai avec précaution et sur l'immense plateau de Garrigues, je décrivis un nouvel arc de cercle afin de les dépasser à mon tour. Le soleil étincelait à 2 mètres au-dessus de l'horizon et je courais dans l'odeur des lavandes matinales que j'écrasais au passage. Comme j'arrivais au bord de la pique, 2 détonations presque simultanées retentirent. Je vis mon père qui venait de tirer et qui suivait du regard le vol plané de belles perdrix. Mais toutes glissaient dans l'air du matin sans le moindre frémissement. C'est alors que, d'une grande touffe de genêts, surgit le béret qui était surmonté d'un fusil. Il tira posément. La première perdrix bascula sur la gauche et tomba, décrochée du ciel. Les autres firent un crochet vers la droite. Le fusil décrivit un quart de cercle et le second coup retentit. Une autre perdrix parut exploser et s'abattit presque à la verticale. À voix basse, je criai de joie. Les 2 chasseurs, après quelques recherches, ramassèrent les victimes, qui étaient à 50 mètres l'une de l'autre, et les brandirent à bout de bras. Mon père criait « Bravo !» Mais pendant qu'il mettait la perdrix dans son carnier, je le vis faire un petit saut sur place et retirer fébrilement les douilles vides de son fusil. Un beau lièvre, qui venait de lui passer entre les jambes, n'attendit pas la fin de l'opération et s'enfonça dans la broussaille, la queue en l'air et les oreilles droites. L'oncle Jules levait les bras au ciel. « Malheureux ! Il fallait recharger tout de suite ! Dès qu'on a tiré, on recharge !» Mon père, navré, ouvrit des bras de crucifié et rechargea tristement. J'étais consterné par notre échec, qui prit pour moi les proportions d'une catastrophe. Il avait manqué 2 fois le coup du roi, et ce lièvre, pour se moquer de lui, l'avait forcé à battre un petit entrechat avant de lui montrer son derrière. C'était d'un comique navrant. Qu'allait-il se passer maintenant? Allait-il réussir un coup honorable? Lui, mon père, maître d'école, examinateur au certificat, qui tirait si bien aux boules, allait-il rentrer bredouille, tandis que l'oncle Jules serait tapissé de perdrix et de lièvres comme la devanture d'un magasin? Non, non, cela ne serait pas. Je le suivrai toute la journée et je lui enverrai tant de volatiles et de lapins et de lièvres qu'il finirait bien par en tuer un. J'avais fait ces réflexions adossé à un pin et je mâchais nerveusement une brindille de romarin. Je repris ma route, pensif, les mains dans les poches, la tête basse. Un coup de fusil, assourdi par la distance, me tira de mes réflexions. Je courus vers le bord de la barre. Les chasseurs étaient déjà loin. Ils arrivaient au bout du vallon qui débouchait sur une grande plaine rocheuse. Je courus pour les rattraper, mais je les vis tourner sur la droite et disparaître dans une pinède derrière la base du Taoumé qui se dressait maintenant devant moi. Je décidai de descendre au fond du vallon et de suivre leurs traces. Mais n'allais-je pas me perdre dans ces solitudes? Je repoussai en ricanant cette crainte enfantine. Il n'y avait qu'à garder le sang-froid de la détermination d'un vrai Comanche. Puisqu'ils avaient contourné le pic par la base, en allant de gauche à droite, je les rencontrerais forcément si je marchais tout droit devant moi. J'examinai la masse du Taoumé. Elle était considérable, et la distance à parcourir serait sans doute assez longue. Je décidai de ménager mes forces en adoptant le trot léger des Indiens. Les coudes au corps, les mains croisées sur la poitrine, les épaules en arrière, la tête baissée. Courir sur la pointe des pieds. Un arrêt tous les 100 mètres pour écouter les bruits de la forêt et faire 3 inspirations calmes et profondes. Au bout de 20 minutes, j'arrivai sous le pic et le paysage changea. Le plateau rocheux était coupé par l'amorce d'un ravin sauvage, entre les blocs éboulés de grands pins et de hautes broussailles. J'en atteignis facilement le fond, mais il me fut impossible de franchir la barre opposée. La distance m'avait trompé sur sa hauteur. Je suivis donc le pied de la falaise, sûr que j'étais d'y trouver une cheminée. Autour de moi, je ne pouvais voir à plus de 10 mètres. Les arbres, les fourrés et les 2 parois de la gorge me cachaient le reste de l'univers. Je commençais à être vaguement inquiet. Je regardai derrière moi pour mesurer le chemin parcouru et je vis, là-haut, dans le ciel, une montagne inconnue,
dont le sommet rocheux s'allongeait sur au moins 500 mètres. C'était le Taoumé. Mais comme je n'avais jamais vu que sa face, je ne le reconnus pas. Ainsi, le premier astronome qui verra l'autre côté de la Lune cataloguera un astre nouveau. Je fus d'abord perplexe, puis inquiet. Je regardai encore et de tous côtés. Je ne vis aucun repère. Je décidai alors de retourner à la maison, ou plutôt vers la maison, car pour sauver la face, je ne me montrerai pas. J'attendrai à la lisière des pinèdes le retour des chasseurs et je rentrerai avec eux. Je revins donc sur mes pas, ce qui me paraissait facile. J'avais compté sans la malice des choses. Les chemins qu'on laisse derrière soi en profitent pour changer de visage. Le sentier qui partait vers la droite a changé d'idée. Au retour, il s'en va vers la gauche. Il descendait par une pente douce, le voilà qui monte comme un remblai et les arbres jouent aux quatre coins. Je revins sur mes pas. En bon comanche, je cherchais mes traces. Une empreinte, une pierre déplacée, une branche brisée. Je ne vis rien. J'arrivai soudain à une sorte de carrefour. Le val se divisait en trois gorges qui remontaient en pied de poule jusqu'au flanc du mystérieux sommet. Je n'avais pas vu, à la descente, les deux autres. Où était ma route? J'aurais dû raisonner et comprendre que j'étais descendu dans le premier ravin à ma gauche, puisque sur le plateau, je n'avais traversé aucun des deux autres. Mais le malheureux chef Comanche acheva de perdre le nord. Il tomba assis par terre et se mit à pleurer. Cependant, je compris bien vite l'inutilité honteuse de ce désespoir. Il fallait faire quelque chose, il fallait agir rapidement, comme un homme. Et d'abord, reprendre des forces, car malgré l'incroyable dureté de mes mollets, je ressentais une très inquiétante fatigue. Après un repos de quelques minutes, j'ouvris ma musette et je mangeai, de grand appétit, mon pain et mon chocolat. Puis je me mis en marche d'un pas léger. Le ravin où je descendis était hérissé de broussailles. Mes mollets étaient striés de longues raies rouges qui se croisaient comme les fils d'un grillage et un grand nombre de fines épines y étaient plantées. Patiemment, je les arrachai l'une après l'autre entre deux ongles. Puis, comme tant de petites blessures me brûlaient, j'allai cueillir quelques plantes. Chacun sait que les plantes des collines cicatrisent rapidement les plaies. Je dus sans doute me tromper de plantes, car après une bonne friction avec du thym et du romarin, je ressentis de si vives brûlures que je me mis à danser en poussant des cris de douleur. Pour me réconforter, je mangeai aussitôt la moitié de l'orange, ce qui me fit le plus grand bien. Je tentai alors de monter sur le plateau, mais l'ascension de l'éboulis final fut plus difficile que je ne pensais, et je découvris que les éboulis ont une tendance naturelle à s'ébouler. Lorsque j'arrivais presque au sommet, en avançant à quatre pattes, je repartais en arrière sur un tapis roulant de cailloux. J'allais désespérer de mon succès final lorsque je découvris une cheminée praticable, un peu étroite pour un homme, mais faite pour moi. J'arrivais enfin sur le plateau. Il était immense et fort pauvrement boisé. Toujours des kermesses, des romarins, des cades, du thym, de la rue, des lavandes. Je fis le tour de l'horizon. J'étais entouré de collines, cernées elles-mêmes par un cercle lointain de montagnes que je ne connaissais pas. La situation était grave. Je décidai qu'il fallait d'abord m'orienter. Mon père m'avait dit 100 fois, « Si tu regardes le levant, bien en face, le couchant est derrière toi. À ta gauche, tu as le nord, à ta droite, le midi. C'est simple comme bonjour. » Et oui, très simple. Mais où était le levant ? Je regardais le soleil. Il avait quitté le milieu du ciel et comme je savais que midi était passé, je fus assez content d'avoir découvert le couchant. Je lui tournai donc le dos, j'étendis les bras et j'affirmai à haute voix « À ma droite, le midi, à ma gauche, le nord. » Après quoi, je m'aperçus que, faute d'un point de repère, cette merveilleuse connaissance ne pouvait me servir à rien. Dans quelle direction était ma maison ? Je fus absolument découragé. Voilà où m'avait mené ma désobéissance et la félonie de l'oncle Jules. Alors me revint en mémoire une phrase que mon père répétait souvent et qu'il m'avait fait copier plusieurs fois quand il me donnait des leçons d'écriture, cursive, ronde, bâtarde. « Il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. »
Je la répétai plusieurs fois, et comme par une formule magique, je sentis que je devenais un petit homme. J'eus honte d'avoir désespéré. Je m'étais perdu dans la colline. La belle affaire. Depuis mon départ de la maison, j'avais presque toujours monté des pentes assez raides. Je n'avais qu'à redescendre et je trouverais certainement un village, ou du moins une route civilisée. Je mangeai gravement la seconde moitié de l'orange, puis, les mollets brûlants et les pieds meurtris, je m'élançai au pas de course sur la faible pente du plateau. Je me répétais la phrase magique et je bondissais par-dessus les cades et les genévriers. Sur ma droite, le soleil commençait à rougeoyer derrière des écharpes de nuages, comme sur les boîtes de confiserie que donnent les tantes à la Noël. Je courus ainsi plus d'un quart d'heure, d'abord léger comme une gerboise, puis comme une chèvre, puis comme un veau, et je m'arrêtai pour reprendre haleine. En me retournant, je constatai que j'avais parcouru au moins un kilomètre. Du côté du couchant, il me sembla distinguer la rive opposée d'un vallon. Je m'approchai d'un pas de promeneur pour économiser mes forces avant de reprendre ma course. J'étais encore à 50 pas du bord de la barre lorsqu'une détonation retentit. Puis, deux secondes plus tard, une autre. Le son venait d'en bas. Je m'élançai, bouleversé de joie, lorsqu'un vol de très gros oiseaux, jaillissant du ballon, piqua droit sur moi. Mais le chef de la troupe chavira soudain, ferma ses ailes et, traversant un grand genévrier, vint frapper lourdement le sol. Je me penchai pour le saisir quand je fus à demi assommé par un choc violent qui me jeta sur les genoux. Un autre oiseau venait de me tomber sur le crâne et je fus un instant ébloui. Je frottai vigoureusement ma tête bourdonnante, je vis ma main rouge de sang. Je crus que c'était le mien et j'allais fondre en larmes. Lorsque je constatai que les volatiles étaient eux-mêmes ensanglantés, ce qui me rassura aussitôt. Je les pris tous deux par les pattes qui tremblaient encore du frémissement de l'agonie. C'étaient des perdrix, mais leur poids me surprit. Elles étaient aussi grandes que des coqs de basse-cour, et j'avais beau hausser les bras, leur bec rouge touchait encore le gravier. Alors mon cœur sauta dans ma poitrine. Des bartavelles, des perdrix royales. Je les emportai vers le bord de la barre. C'était peut-être un doublé de l'oncle Jules. Mais même si ce n'était pas lui, le chasseur qui devait les chercher me ferait sûrement grand accueil et me ramènerait à la maison. J'étais sauvé. Comme je traversais péniblement un fourré d'argéras, j'entendis une voix sonore qui faisait rouler les airs aux échos. C'était celle de l'oncle Jules. Voix du salut, voix de la providence. À travers les branches, je le vis. L'oncle Jules venait de la rive d'en face et il criait sur un ton de mauvaise humeur. « Mais non, Joseph, mais non! Il ne fallait pas tirer! Et venez vers moi! C'est vos coups de fusil pour rien qui les ont détournés !» J'entendis alors la voix de mon père, que je ne pouvais pas voir car il devait être sous la barre. « J'étais à bonne portée, je crois bien que j'en ai touché une. »« Allons donc !» répliqua l'oncle Jules avec mépris. « Vous auriez pu peut-être en toucher une si vous les aviez laissées passer !» Mais vous avez eu la prétention de faire le coup du roi, et en doublé. J'avoue que je me suis un peu pressé, dit mon père d'une voix coupable. Mais pourtant, dit l'oncle d'un ton tranchant, vous avez bel et bien manqué des perdrix royales, aussi grandes que des cerfs-volants. Le plus triste, c'est que cette occasion unique, nous ne la retrouverons jamais. Et si vous m'aviez laissé faire, elle serait dans notre carnier. Je le reconnais, j'ai eu tort, dit mon père. Pourtant, j'ai vu voler des plumes. Moi aussi, ricana l'oncle Jules. J'ai vu voler de belles plumes qui emportaient les bartavelles à 60 à l'heure jusqu'en haut de la barre où elles doivent se foutre de nous. Je m'étais approché et je voyais le pauvre Joseph. Sous sa casquette de travers, il mâchonnait nerveusement une tige de romarin et hochait une triste figure. Alors, je bondis sur la pointe d'un cap de roche qui s'avançait au-dessus du vallon et, le corps tendu comme un arc, je criai de toutes mes forces. « Il les a tués, toutes les deux, il les a tués !» Et dans mes petits poings sanglants d'où pendaient quatre ailes dorées, je haussai vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant. La gloire de mon père, de Marcel Pagnol.
Extrait lu par Hervé Pierre. Cinquième et dernier épisode. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Juliette Eman. France Culture remercie l'Eau des Collines Éditions de la Treille et les éditions Grasset et Fasquelle.